Et messieurs, dames, bonsoir. Et bonsoir à tous. Bonsoir Mewen. Et salut Concret. Comment ça va? Ça y est, nous y sommes. Oui. Le grand jour. Oui. On espère. Ce sera de toute façon un grand jour. Et salut Kaltorak, comment vas-tu? Hello Kalto. On repart sur Valheim après une petite semaine d'absence. Ouais, c'était rapide. En vrai, c'était rapide. Et on va se préparer pour le boss. On va faire le boss. Oui. Let's go. Avec un peu de chance, on finira le boss. Aucune idée. Alors, j'ai pas relancé le serveur depuis une semaine. Concret, il est hyper confiant. En mode, on va y arriver de toute façon. Parce que l'arène fait que on sera trop bien. Parce qu'on pourra fuir, revenir et tout et tout. Bah, les vacances, c'était... Moi, j'étais pas en vacances. Mais c'était bien. Oh, t'étais un petit peu en vacances. Non, c'était... Ah, c'était sympathique. Hein. On a profité un petit peu. Ah ouais. En France. J'étais à la campagne chez mes parents. Et forcément, grand jardin, forêt. Trop bien, quoi. Et puis chez les parents, c'est toujours trop cool. Donc, c'est trop bien. Ma petite, elle a trop profité aussi. Donc, excellent. Ouais, et puis il faisait pas trop chaud. Ouais, ça c'était bien. Et ici non plus d'ailleurs. On a quoi nous? On a 30 degrés je crois aujourd'hui. 30 quand même? Non, on n'avait pas 30 aujourd'hui, jamais de la vie, on avait genre 26. Non, ici en Belgique? Mais ouais, il faisait pas chaud aujourd'hui. Hein. C'est 26, enfin, il faisait pas chaud. Il faisait bon, tu vois, genre 26-27. Pas plus, pas plus. En vrai, je crois que demain c'est possible, et tout, hein, c'est possible qu'on ait plus. Mais là, non. Non, non. Non, non, non. Et donc, ouais, Kaltorak, du coup, merci pour ton message, merci pour ton aide. Il n'y avait pas Mewen à la maison, donc c'était forcément des vacances. Oh, il n'y avait personne à la maison, il n'y avait que les chats qu'on a fait garder un petit peu. Bah, je sais pas si c'était des vacances pour eux, les pauvres bêtes. Ouais, si, je pense qu'ils ont profité, ils étaient bien. Il y avait deux personnes qui sont venues les voir entre temps, donc ça c'est cool. Et puis, non, moi j'étais à la maison tranquille avec la petite et mes parents, et Concret, il était en voyage d'affaires. Ah, mais demain, donc, il a aussi, fait de la route. Il fait chaud, je crois. Ouais, demain, pas les 40. Non, pitié, pas 40. Pas tant que ça, mais je crois que nous on va avoir une journée chaude pour la Belgique. Pour la Belgique, il faut pas grand chose. Je t'envie tellement pas, quoi. Après, Ralph et ses chats. Ralph. Ouais, enfin, Ralph et ses chats, c'est pas la même. C'est pas la même relation. J'espère. Bon, je vais me réparer. Et ensuite, on va dans le coffre des Ashland mettre un peu de nourriture. Et je te propose qu'on fasse le boss. Genre direct. Attends un petit peu. Coucou Anis. Attends un et petit salut, peu. Anis. Genre qu'on se prépare doucement là. Ouais, on se prépare de toute façon. On raconte nos les vacances. Alors j'en ai une à côté passé. De moi. Il me faut les deux autres. T'as parlé de quoi? T'as parlé de quoi? Il me faut les cloches. Ah, oh, quel bâtard. J'ai jamais reçu les infos du Discord, mais comment ça? Je t'ai pas envoyé le message sur Discord? Mais comment ça? Ah bah attends. Concret. Ça va me le dire ça. Bravo. Ah Concret, t'aurais pu faire un effort sur les couleurs, hein. Je suis fadasse. Hein. Bah si, je t'ai envoyé, tu m'as même envoyé un gif pour dire merci. Qu'est-ce que tu racontes? Bah alors? Bah... Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Bah... Ou madame? Ah bah oui, tu m'as envoyé un gif pour dire merci. C'est ton petit frère, c'est ça? C'est souvent l'excuse. C'est Alzheimer précoce. À Concret, niveau couleur, c'est un peu fade. Oui, c'est maintenant que je m'en rends compte. Qu'est-ce qui est fade? Moi. Non, c'est bien. C'est vrai? C'est fade sur ton téléphone? Ah, peut-être moins. De toute façon, je peux rien changer. Donc... Ok, tant pis. Pas grave. Ça, c'est avant. Moi, je suis fade. C'est moi qui suis fade, en fait. C'est une réponse automatique. Mais il faut lire après, aussi. Hein. Pas... Après, ça, on n'y peut rien, quoi. Bon, alors, attends. Bon, je fais les cloches. Il m'en faut encore une. Qu'est-ce que j'en peux, moi? Qu'est-ce que j'en peux? C'est très, très belle, je veux dire, ça. Ah bon? Ouais. Bah, bien sûr, personne ne dit ça. Vous dites quoi? Vous dites qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'en peux? C'est tellement belge. Belge. Mais no offense, hein. Aucun problème. Non, bah, moi, je pense que c'est compréhensible. Oui. Les gens, ils ont compris.
Voilà, je vais aller faire un coffre. Je vais aller refaire un coffre là-bas. Il fallait faire un coffre parce qu'on doit mettre de la nourriture. On va mettre de la bouffe, on va mettre des trucs. Je m'excuse. Excuse acceptée. Attends, on a tous les deux eu. Alors peut-être les trois, je ne sais pas. Non, cas, ça me faisait peur parce que je me suis dit j'ai envoyé tout ça à quelqu'un d'autre. Moi j'ai tellement pensé à Kaamelott quand t'as dit je m'excuse là. On s'excuse. Terrible. On baisse nos frocs quoi. Faut avoir la ref. Bon, il est où le H-boss là? Je sais plus, on a trop des portails. C'est exactement la ref, incroyable. Incroyable. Faut des os ici, non? 10 sur 10, non. T'as mis où l'entrée de la maison? Là. Il y a deux entrées en plus, mec. Hein. Je sais pas comment t'as fait pour louper la porte. Il y a une autre porte là-bas. Ah. Et il y a un coffre. On va ranger un peu le coffre. Juste à côté du... portail. Je vais mettre le coffre ici. Le deuxième coffre, on va le mettre là. Furniture. Oh merde! Oh, j'ai pris un... Oh, je ne sers à rien. J'ai pris qu'un seul iron. Comment je fais un stack, moi, ici? Est-ce que j'avais pas pris un iron en plus? Ah, j'oublie les touches, hein. C'est tout est tellement différent. Est-ce qu'il y a de l'iron? Il y a de l'iron dans le coffre ou pas? Non? Il y a deux. Attends, c'est de l'iron? Il y a deux iron. Incroyable, vas-y, il me les faut. Ferme le coffre. Mais... Allez, mais je vais faire un autre coffre pour la bouffe. Ah, mais j'ai tout mis là-dedans, moi. Mais non, je vais faire un autre coffre. Regarde, ça va être celui-là. T'avais rechargé le bouclier et ramené les loot du coffre. Exceptionnel. Waouh. Putain, mais quel torrent, quoi. Unclaimed bed. J'avais pas claimed? Ah bah, apparemment. Bah attends, j'en prends. Alors, tiens, le plus facile. Boum. Ouais, c'était sûr. Eh, mais faut qu'on fasse un lit à Kaltorak, d'ailleurs. Alors, sans jeu de mots, je peux venir? Ouais, bah, t'as les... J'adore. T'as les access, maintenant, donc... T'as les access. Bon, on va se faire le buzz, donc forcément, tout coup de main est le bienvenu. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Bah non, pas de lit pour moi, on en fera un pour la prochaine fois. On va peut-être faire un lit pour Anis, du coup. On va aller refaire un lit. De toute façon, refaisant un au pire, ça ne coûte rien. Ça ne sera pas perdu. Et puis au pire, on en refera 2, 3... 4, 5, 6, on fera un étage et on fera un autre étage. Et on fera plein de lits. Bon, j'ai envie de voir... Ah mais t'as pas fait de porte ici? Mais quoi, j'ai pas fait de porte? Ah oui, j'ai toujours pas fait la porte, c'est pour ça qu'il fallait lui faire. Merde. On va faire la porte. Oh, on s'en fout, non? Ouais, on s'en fiche de la porte. C'est juste pour pas que les guignols viennent, mais vu qu'on a le lit ici, je veux dire, on revient, on est là, on est tranquille, quoi. Le lit... Alors, Ashwood, le 8 Ashwood, 2 Lox. Vas-y, on va voir. Et 2 Ashvin. Oula, oula. Mais, ici. Il y a un guignol qui vient. Alors, normalement. Quoi? Quand tu vas arriver, il y aura un portail tout près des pierres. Ah oui, c'est vrai que, bien sûr. Et ce portail t'amène à notre salle de portail principal. Là, il faut monter à l'étage et t'as tous les portaux d'Ashlyn. Et nous, on est au H-boss. Voilà. Tout simplement, et c'est là qu'on fait le boss. Et ensuite, libre à toi de faire ce que tu veux. Si tu veux parcourir les Ashlyn, bah, vas-y. Ah oui, alors du coup, on rappelle la seule vraie règle du serveur, à part les règles standards de bienséance habituelles, c'est de ne pas aller trop au nord. Ouais. Parce que si on découvre la map au nord, alors pas de spoil, bon bah ça on commence à arriver à la fin du jeu donc ça va être compliqué, mais si tu explores trop le nord de la map, on pourra plus utiliser le même monde pour aller dans la prochaine extension. Voilà. Tout à fait, donc pas de spoil en effet sur le boss, après une fois qu'il aura pop... Oui voilà, après une fois qu'il aura pop... Une fois qu'il a pop... Voilà, il a voilà. Pop quoi. Il a pop quoi. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre un lit Je rebondis là-dessus. Moi, s'il y a des astuces... On va mettre un lit là. Pour hein. Pouvoir l'avoir, je suis pas contre. Hein. S'il y a une technique plus facile, des armes plus faciles, voilà. Ça par contre...
T'as le lit près du feu. Voilà. Il va faire bien chaud là. On peut dormir, mais moi je dors déjà. C'est vrai ? Ok. J'espère que t'as accès au serveur. N'hésite pas à me le dire parce que... Avant, tu as les infos concrètes à donner, toutes les infos de connexion ? Ouais, mais j'espère que le firewall est pas activé. Comment ça le firewall ? La dernière fois, d'ailleurs, je sais même pas comment Kaltorak a pu se connecter la dernière fois parce que le firewall était désactivé. Bon. Enfin, il était activé, du coup, il supprime tout le monde. Ah ouais. Ah ouais. Trop bien. Donc, Alors. Alors. C'est plus compliqué que ça. Bah écoute, nous, on se prépare tranquillement. Tu fais bien sûr ton pic-assiette. C'est-à-dire, par rapport à quoi ? J'imagine au stuff, à la bouffe, tout ça, tout ça. C'est juste papillé, quoi, évidemment. Pour la bouffe, on a plein, donc prends. T'as piraté et contourné le firewall, simplement. Je fais ça tous les jours. Un jeu de l'enfant. Pour manager, oui, tu manages ce que tu veux. Donc, vas-y. Pour ça, tu manages. Ah oui, la bouffe, il faudra peut-être te montrer. Hein. La bouffe dans la taverne, sous le comptoir, tu vois, là, ça y est, Kaltorak, il a tout balancé. Comment je m'habille, moi ? Et le stuff aussi. Hein. Tout ce qu'on demande, évidemment, aux gens sur le serveur, c'est d'être raisonnable. C'est-à-dire, tu prends un peu, tu mets un peu. C'est juste pas tout prendre et rien donner, quoi. Oui, c'est pour ça que je disais les règles de bienséance. Ouais, c'est le truc de base, c'est quoi. Vraiment les trucs... C'est encore que... Encore que... Il a pris une lance à eau. Ah, je te suis plus là. Interprète ! Interprète ! Interprète ! Interprète ! Fouillère ! Fouillère ! Easy fire down ! Qu'est-ce que j'allais dire ? Moi, du coup, j'ai perdu la pensée de mon fil. Fire what ? De quoi tu parles ? Anis ? C'est quoi ? Tu essayes de faire un jeu de mots entre firewall et fire what ? Je comprends pas. Ah, peut-être, c'est peut-être un jeu de mots. J'y arrive pas, je suis désolée. Il n'a pas compris. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui, vérifie que t'as tes armes, que t'as tout, que t'as pas trop dans ton... C'est quoi ça ? Stam. Stam, dans ton inventaire aussi. Vie. Stam, vie. Stam, vie. Voilà, j'ai pris quelques stacks de trucs. Je vais les mettre dans les coffres. Dans mon inventaire, j'ai des flèches, mais je vais en prendre plus. T'as vu une vidéo YouTube où un mec s'est lancé le défi de vaincre le boss des Ashlyn en mode cauchemar, à poil, sans repos, sans se faire toucher, avec une épée à deux mains. Et ben, il a réussi. Mais non. Mais concret aussi, c'est un habitué des Souls. Ouais, je suis un habitué des Souls, mais moi, je peux pas ça, quoi. Donc moi, les Souls, je les fais avec mon épée, mon bouclier, mon armure lourde, toutes mes potions. Il fait genre, il arrive pas, mais il est trop fort, concret. Je bloque le boss dans un coin. J'attends qu'il soit buggé, et après, je finis le jeu. Ça, oui. Trop humble. Les défis, c'est pas mon truc, quoi. On l'a pas encore fait, non ? Ça va être la première fois qu'il arrive sur le serveur. On ne l'a pas encore vu, on n'en sait rien. On a vraiment... Donc la partie no spoil, c'est maintenant. Ouais, voilà. Vraiment, là, ça va être découverte. Reaper arrive. Ah bah très bien. Ah bah voilà, bon, on va voir. Du coup, j'ai mon arc, j'ai mes flèches, j'ai de la stam, j'ai du tasty mead. Pas beaucoup, mais j'en ai. Peut-être en reprendre d'ailleurs. Du tasty mead. Tiens, hop là. On va aussi reprendre un petit stack d'hydromel à mettre dans le coffre. Voilà. Let's go. J'ai essayé de venir à ta rencontre, mais t'es déjà plus là, quoi. Une vidéo où il affronte 7 reines.
en simultané en mode cauchemar, quoi, il y arrive aussi. Des fouineurs, eh ben. Tu parles des insectes là? Donc, Reaper, si tu veux, tu peux me suivre. Ah, oh, les ovnis, quoi, tu m'étonnes. Pour la taverne et la nourriture, ça doit être ici. Petite quelque visite. Part. Petite visite de la maison. C'est sous le comptoir ici quelque part, toutes les nourritures, donc si t'en voilà, faut. T'as marqué vie, endurance, t'as un gros coffre un peu plus loin avec plein d'hydromel, mais je vais remettre dans le coffre de la maison de H-Boss. Et ensuite, je te montrerai où se trouve le portail du susnommé boss. Tu sus... Tu sus qui tu veux, mais non. Faut monter ici. Et je crois que le boss, c'est celui tout au bout. Ouais, c'est celui-là. Boum. Là, on arrive au boss. Et donc, il y a une petite maison. Juste ici, après le portail. Par contre, pas de bouffe. Comment ça, pas de bouffe? Il y en a aussi ici, si jamais. Hein. Voilà. Mais il y en avait normalement dans les... J'en ai mis dans le coffre ici, hein. Attends, d'ailleurs, ouais, je... Il y en a dans le coffre là. Et t'as un lilas si tu veux prendre. T'as un lilas? Voilà. Voilà, il y a un peu de nourriture. J'ai gardé ma cape en plume. C'était peut-être pas utile. Moi, j'ai pris celle qui mettait... Toi, prends celle que tu veux. En fait, de toute façon, tu vas jouer à l'arc. Bah ouais. Comme ça, c'est peut-être chaud. Prendre l'autre cape là qui donnait les... Non, je sais pas si on avait avec des bonus. Ouais, garde ça, écoute. Je vais garder ça. En vrai, on va faire un test hein, et on verra bien. Et après, on va se... Si jamais on voit qu'on se fait démolir... On revient ici. On change de strat, quoi. Si on meurt, on revient ici et puis on teste, quoi. Ah, je crois qu'il y a le chat qui miaule. Ah bon? Attendez alors. Vas-y. Occupe-toi du chat. Pauvre bête, quoi. Je sais pas si c'est vrai. Question, les popos de feu, si possible, ben ça devait être comme... C'est totalement faux, j'entends des voix. Elles sont où les popos de feu? T'en as pas mis ici? Ah, des popos de feu, j'en ai pas du tout pris. Ce serait peut-être bien d'en avoir, en effet. Ouais. Bon, moi j'en ai une dizaine, donc au pire je vous en laisse. Ouais, mais c'est vrai que ce serait pas mal. Des popos de feu, là. Ça va, dans le confort 10 ici, c'est... Et... cool. Taverne sous le comptoir. Pour le boss, il vaut mieux quand même avant d'y aller du Yagloot ou du Bonne Masse. Ah, du Yagloot ou du Bonne Masse. Bonne Masse, c'est bien à chaque, c'est bon à chaque fois, non? Si c'est du physique, ouais. Maintenant, si c'est un boss magie, qui nous avoine, j'avoue, avec des dégâts de feu. C'est vrai. Toi, t'as Yagloot. Bah, pendant 5 minutes, on aura Yagloot et Bonne Masse. Ici, t'as l'hydromel normalement quelque part. Dans le coffre. De feu. Ah non, vas-y au fond, va au fond, va au fond, va au fond, là. C'est pas là-dedans. Ok. Ouais. Ah. Le Fire One. Wine. Wine. Je sais pas si on prend plutôt sous le comptoir, ouais. C'est bon, il l'a trouvé. Ah, il peut pas à cause du totem. Ah ouais, il faut que tu viennes le désactiver. Ah, fallait faire comment déjà? Je le désactive et je le réactive? Ouais, fallait le désactiver. Ou le détruire, je sais plus. Non, tu détruis rien du tout. Juste. Cette connerie de totem, quoi. Il est trop bien, hein, tu rigoles. On l'avait juste mis en plus pour... Pour le style. Ouais, c'était juste bien. Attendez, hop. Attends, vas-y, tu viens? Oui. Alors attends, désactivate, voilà, activate. Non, ça marche pas. Activate. Fais un truc, ah voilà. Ah voilà, c'est bon. Perfect. Impec. Donc je vais te mettre des hydromel à H-Boss. On va te montrer le portail Reaper. Mais il est déjà venu. Oh. Pourquoi il pourrait rien faire Ah, les coffres. C'était pour les coffres. C'est les coffres, c'est pour ça qu'il avait pas tout de bouffe d'ailleurs. Tout à fait. On a tellement pas l'habitude qu'il y ait du monde sur le serveur. Tiens, je te mets les hydromel ici. Ça, tu peux en prendre.
Je propose qu'on se mette tous ensemble dans l'arène. Oui. On met à la fois Yagloutz et Bonne Masse. Et Bonne Masse, comme ça on est. Comme on ça est pendant 5 minutes, normalement on est bon. Après, ça craint. Après, t'as ton Bonne Masse à toi que après, tu pourras toujours mettre. Bonne Masse, en effet. Mais tu vois, si on voit que Bonne Masse est pas utile, pendant les 5 minutes, tu peux revenir chercher Yagloutz par exemple. Toi, tu reviens chercher Yagloutz. Ouais. Tu vois, ça on pourra faire. Hein. Tout à fait. Attends, est-ce qu'on peut dormir avant d'y aller? Déjà? Ah non, on peut pas. On fait quoi? On essaye? Why not? T'as toutes les cloches? Moi j'ai les cloches. Oh, mais si on rate, on pourra re des cloches? Bon, on a assez d'en tant que le boss il est là. Okay. Invoquer le boss avant de lancer les pouvoirs, ça évitera de perdre du temps sur les buffs. Tout à fait. Bien vu, Kaltorak. Non, non, le boss il reste tant que tu l'as pas tué. Hein. Ok, ok. Regarde, la reine c'était ça. Hein. Oh, en plus on a un petit nain avec nous. Oh, on a des Michel, trop bien. Bah, il fait nuit là. Bah non, on pouvait pas dormir. Bah, je sais bien, mais il y a du brouillard quoi. C'est où que je vais mettre la balle? Alors, du coup, on se rassemble tous au centre. Concret va mettre toutes les cloches. Après, on bouge pas du centre. Allumer le feu? Il y a un feu allumé? Quel feu? Bah, je sais pas, c'est ce que Reaper a dit dans le chat. Non, c'est les cloches. Non? Ou c'est le petit nain qui a dit ça? C'est peut-être le nain. Hein. Ah oui, le boss, chaque boss a sa propre météo, c'est pas faux. Allumer le feu. Donc, ring the bell. Ah ben voilà, faut allumer le feu ici. Ring the bell. Ok, maintenant vas-y. Mettez tous les deux votre truc, on a Yagloutz et on a Bonne Masse. Super, impeccable. Moi je vais rester le plus loin possible de la chose qui va émerger de je ne sais où. D'où elle émerge? D'où elle émerge? Métal! C'est du métal, j'entends rien. J'ai pas de son. En haut? Ah oh ouais, c'est ah ouais, regarde, il y a une comète qui arrive. Où ça? Oh merde, j'ai raté. Là. Oh, trop beau. Oh my Spader, god. Spader, c'est le oh, père. Ah, c'est... Oh, c'est un des... Il est magnifique. Oh, je suis amoureuse. Désolée, concret. Oh. Ok, Yagloutz, c'est peut-être pas mal là-dessus. Oh, il potion est de feu. Sublime. Prends ta potion de feu, peut-être, j'ai ça peut être bien. J'ai pas pris de potion de feu. Parce que je suis... Parce que lui, il est bloqué, là, si jamais. T'as pas pris les potions de feu? Non, bien sûr. Évidemment que non. Et j'ai même pas mangé, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Oh. Balance-lui le maximum de flèches, hein, ça le stun. Ah ouais, je suis à fond. Ah, il y a de la... Il y a de la joie. C'est-à-dire? Bah, il y a des petites AO de feu vert. De feu grégois. C'est abusé les trucs de Jade. Bah il bouge pas le boss en fait. Bah non, il est stun. C'est pas drôle, qu'est-ce qu'il fait? Attends, parce que c'est en train de... Oula. Beat. Ok. Mayday. Bah, je vais crever. C'est bon, moi je suis en dehors. Ok, d'accord. Moi je vais mourir, je suis mort. Mais non. Ah, mais non, si. Concret. En fait je suis pas resté, mais c'est pas grave, je reviens. Ok. Je reviens dès que je peux. Continue de le stun. Là, on est bien. Ah, je me suis pris toute là-haut. Je suis parti du mauvais sens. Ah bah oui. Ah non, il va être sur moi. Ah, là il est. Oh, il y a du feu dans la maison. Sérieux? C'est quoi ça? Je vais mourir. Mais allez. Ça arrive dans la maison. Ah ouais, attends, parce que là... Ah oui. C'est bon, c'est fini. C'est intéressant. C'est violent, ça. Tout à fait. J'ai paniqué. J'ai l'impression qu'il a détruit le portail. C'est pas vrai. Bah si. Oh mais non. Avec les lits et tout. Ou c'est juste les lits qui ont été détruits? Attends. Oh. Ah, il déconne zéro, en fait, Pepper. Incroyable. Allez, la vigueur, là. Allez, la vigueur, reviens la vigueur. Eh, mais par contre, il est beau. Il faut que vous arriviez à sortir. Attends, moi, je suis bien. Dérisette le boss. Il faut refaire le portail, on n'a plus de portail. Allez, pourquoi j'arrive? Mais tant que je suis encore en vie, je suis encore en vie, non? Ah bah non, non. Bah non, vite. Ok, t'as raison. Il faut partir parce que moi, je peux plus revenir. Hein. T'as raison, on ne pourra plus revenir.
Il a tout détruit, je crois. Ok. T'as aggro le boss, mais Mewen essaye de... Ah ouais, il a tout détruit. Pardon. Essaye juste de refaire le portail. Oh merde, on était un peu près. Essaye juste de refaire le portail. Attends, est-ce que je peux... Oh la vache. On te fait confiance, Mewen. Attends, j'essaye, mais je, bien sûr, j'ai trop, parce que il y a trop de trucs, là. Alors, j'ai pas assez de bois, mais j'ai trop de growstone. On s'en fout du growstone. On jette le growstone, on prend du bois. Wood. Mais allez, le growstone, là. Le métal, on s'en fout. Ok. Je vais essayer de mettre le plus loin possible. On va peut-être mettre le portail ailleurs, en effet. Attends, je vais mettre le plus loin possible. Hop. Est-ce que je peux faire un portail? Non. Il me manque juste les Grey Dwarf. Aïe. Oh non, le feu arrive jusqu'ici. Ok, mais en fait, il le met... Oh my god. Ah ouais, il va loin. Hein. Ah, mais en fait, il le cible. Ah oui, le ramassage auto, t'as raison. T'as raison, il faudrait que je le désactive, mais... Attendez, on va mettre Mewen, là, parce que moi, là... Attends. Allez, le feu, là. Fous-moi la paix. Mais en fait, on est screwed un peu parce que... Putain... Ah mais je sais pas comment on désactive le truc auto rapidement, donc no room. Mais arrête de ramasser des trucs, là. Évidemment... Et c'est bon, vas-y. Si, le truc, il a survécu. Let's go. Attends, je vais mettre vraiment le plus contre la paroi. Hop là. Et t'as un Morgan. Quel enfer. Bon, t'as on arrive. A le H-Boss. Là, je reviens. Par contre, on a plus. Tu t'irais pas chercher Yagloot, Mewen? Tu veux? Bref. J'ai toute la bouffe. Attends, moi, il faut que je... J'essaie de refaire un coffre. Je vais essayer de refaire un coffre. Le ramassage auto, comment est-ce que je vire ça, moi? Ouais, c'est horrible. Surtout, fais gaffe parce que... Auto pick-up off. Voilà. Il faut juste que je retrouve la bouffe. C'est toi qui as la bouffe? Dans le coffre que j'ai mis à côté, là. Ah ouais. Vite. Oh merde. En fait, faut pas qu'on reste là. Je vais mourir. Ouais, je vais mourir aussi, moi. C'est bon, je suis pas mort. Il faut qu'on aille faire un portail ailleurs. Je suis en train de cramer. Ah merde, il faut venir faire le portail ici, mais... Oh, you died. Oh, il détruit nos trucs. On pensait être bien préparé. C'est faux. C'est raté. Comment est-ce que je peux faire pour faire le portail, moi, du bois? Fine wood. Ah, c'est complètement raté. Il te faut du bois, il te faut 10 bois normaux pour faire un établi de craft, et après il te faut du bois. Il va falloir le faire ailleurs. Hein. Ah, je suis à côté de Suzanne. Ah, je suis carrément... Après, mon lit a été détruit, donc je suis au spawn. Incroyable. J'ai pas de... Comment je fais un marteau? T'as pas le marteau? Non, j'ai pas de marteau. Il te faut... Quand tu fais l'inventaire, je crois, tu peux directement en faire un via l'inventaire. Ouais. Quand tu fais l'inventaire, t'as un truc de craft qui apparaît. Tu peux faire un hammer avec 3 wood et 2 stone. Bref. 3 wood et 2 stone. Il faut de la stone, quoi. Ah, c'est chaud. Ah, attends, on a quelqu'un qui veut être ban. Donne-moi la souris. Ah, attends, là, je peux pas. Je peux pas. Ah non, en fait, on est trop... C'est dommage, en fait, il faut faire un portail beaucoup plus loin. J'ai pas de stone nulle part, quoi. Je sais pas où la trouver. Comment on fait déjà pour faire ça? Tout le monde pas l'habitude? J'en sais rien, ah, là, c'est pour bon. Le moment. Je suis désolé. Là, je cherche des pierres. C'est bon, c'est où bon, qu'il y a je des ban, pierres? Je ban. Où est-ce qu'il y a des pierres? Il y a que de la grosse stone partout, quoi. Ouais, mais attends, mais je vais changer de cap. En vrai, je vais changer de cap. Je vais me prendre vraiment ma potion de feu. Parce que je suis débile. Ouais, et à mon avis, il faut Yagloot ici. Et surtout, on va peut-être mettre le truc très très loin. Mais je pense qu'il... Ah non, il j'ai nous, des météores, je vais mourir. Il nous cible là où... Ah putain. Ouais, mais là, il y a des météores. Là, j'ai rien, j'ai aucune protection. ça va être mort. Va falloir y retourner, à mon avis, à pied. Mais c'est pas grave, on pourrait y retourner. On a forcément un portail qui est pas trop loin. Ouais, non, ça c'est sûr. Hein. Ah, bordel. Bon, bah, c'est très bien. C'est très très bien. En vrai, ça me plaît. C'est horrible. J'ai juste pas de pierre. Je vois pas de pierre. Quoi. Ce boss est vraiment magnifique. Et très intéressant. Donc, je kiffe bien. T'avais quoi dans ton inventaire, toi? Oh,
bah, mes armes, parce que du coup là j'ai plus rien, vu que j'avais que équipé mon marteau. J'ai même plus mon marteau d'ailleurs, j'ai plus rien. T'as pas de la pierre ? Donc grosse tonne, machin. Mes armes sont là. Ah merde, mais j'ai le boss qui est revenu ici maintenant. Alors faut, ouais, faut monter sur les murs en fait. J'ai pas pensé. Monte sur les murs. On a plein de murs partout. On monte dessus, point barre. Ouais, mais t'as les zones qui vont sur les murs ici, bah, non ? Je suis pas sûr. C'est au sol, quoi. Peut-être pas. Comme il y a Glut, les météores ciblent un joueur random, par contre. Les murs, non ? Pouvoir... Bon, bah alors les murs, non. Bah, on verra où est-ce qu'il est le boss, là. Ouais, faut juste mettre le portail un peu plus loin. En soi, moi, ça me dérange pas de faire un peu de marche. Quand on essaye de te rééquiper, mais ouais, ouais de voir un peu tout ce qu'il y a. Ce que je fais. Puis, attends, moi j'ai vu ici. Ouais, ma cape. Lingering stamina. Mashed mead. J'ai pas pris de marteau, quoi. Après, si je suis plus dans l'aggro du boss, là ça peut être bien. Là, ça fait longtemps que j'ai plus de. Ah, si, voilà. Non. Mais ouais, je te confirme, ça marche pas. Ouais, bon, bah. Ok, je suis mort. Bon. C'est pas grave, prends de quoi faire un marteau. On prend de quoi faire un portail. Qu'on va appeler H-Boss. Et qu'on va mettre pas trop loin. Donc là, on va devoir dormir. C'est mes outils là. Pourquoi on a plus d'outils ? J'ai plus de marteau. Ah si. J'ai un marteau. Un peu violent quand même là. Ah, il est incroyable. Mais franchement, il est déjà. Il y a eu un quart de vie là en moins, donc ça va. Très bien. C'est juste évidemment que le portail était mal mis. Avec un portail même plus loin. Au pire, c'est pas grave si on doit aller plus loin. C'est une purge. Mais j'avoue, ces AOE, c'est. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, ils l'ont vraiment réussi. Hein. Par contre, faut vraiment voir la portée. Hein, parce qu'il faut peut-être vraiment mettre très loin le portail. Je sais pas où tu en es, Reaper. Tu en es où? À quelle étape de décomposition? Faut juste prendre une bouffe ici. Ouais, parce moi j'ai que nous, pris, on j'ai va, un peu de bouffe, on j'ai va y pris un arc, j'ai des flèches, j'ai changé de cap. On prend juste une nourriture, enfin deux quoi. On en a pris trois. Juste le temps de retourner. On va essayer de dormir. Moi je suis dans le lit, je vous attends. 3400. Voilà. T'es mort ? Bah voilà, bah essaye de... Ah ouais, mais t'as pas de lit. Tu peux peut-être en bah faire bon, un il ici. Est au spawn. On a du bois, on a tout ce qu'il faut. On revient... Ah bah oui, merde. Attends, on va lui faire un lit. Après, on peut te faire un lit en paille, hein, pour l'instant. Ouais, fais un petit lit ou pire dans la salle de base. On a un portail pas trop loin. On peut prendre peut-être... Mais en vrai, ça sert à rien, je peux faire un vrai lit, parce que ils sont pas durs à faire. Je vais te faire un lit juste en dessous de notre chambre. Hop. J'ai perdu ma belle épée. Ah, putain, moi aussi. Ouais, c'est pas grave, elle est dans... Ouais, elle est quelque part. Elle est dans notre truc, donc... Vas-y, je te fais un lit en dessous de notre chambre. Tu verras, c'est sympa. Sans flèche. On va prendre Diaglout, je pense. J'ai l'impression qu'on prend beaucoup plus de dégâts de feu que de dégâts... Je sais pas si ça marche. Tu dis quand t'es là, Reaper ? Je te fais un petit lit là. Et donc moi là je dors. Attends parce que... Donc tu peux revenir proche de... Ouais bah voilà. Tiens voilà, viens. Je te fais un Et petit il lit a fait ici. Quoi d'autre comme attaque Je sais pas, j'ai juste vu les AOE moi. Voilà c'est bon. Parce qu'en soi je crois qu'on a un portail... Bon faut courir un petit peu. Mais on court jusqu'au boss. Qui est le H combien? Bonne question. Parce qu'en fait, on a couru jusque. Au moins, normalement, ça le. T'as dit quoi? AOE, flamme. Il y a des summons de mobs, j'ai pas vu mobs. Moi ça. Ah, bah, j'ai pas vu le summon non plus. Il y en avait probablement s'il le dit. Bon, bah, écoute, on va essayer d'y retourner. Hein.
On prend de quoi faire un portail, peut-être ? Oui. H-Boss prend une potion de résistance au feu. Il va falloir essayer de retourner. Ce qui va être assez long, hein, j'imagine, le portail, parce qu'il y a probablement une grosse portée, d'après ce que dit Kel'Thorak. Elle est peut-être vraiment violente, cette portée. T'as pris une potion de feu ? Oui. Voilà, bah... T'as été jusque... T'as pris de quoi faire un portail ? Non. Ah. Je peux te demander de prendre... Oui. J'espère qu'on a, hein. Au pire, on en détruit un en haut. On a. Moi, je vais essayer de voir quel est le plus proche de H-Boss qu'on avait. Où est-ce qu'il était, le boss ? Il est à 50% de vie, c'est pas mal déjà. Ouais, franchement. Faut trouver tous les haches qu'on a fait. Les portails, il faut trouver celui qui est le plus près. Je crois qu'il y en a un pas trop loin. On avait une mysterious location. Je me demande si on n'avait pas mis là-bas un portail. Tu crois ? H4 en tout cas, il est loin. La première mysterious location ? C'est H5 ou H6 peut-être. Ah ouais ? Ah. Ah oui, parce qu'après on a fait toute la quête du... Oui, tout à fait. Je vous ai pas prévenu de ça pour pas vous backseat. T'as très bien fait. Ah non, c'est trop bien. T'as très bien fait parce que ça fait partie de la mécanique. Et ah, si on l'avait su... Ah non, ça aurait... Ouais, ça aurait pas été aussi... On n'aurait pas eu la surprise. Vas-y, je teste H6. Non, t'as bien fait, t'as très bien fait. T'as vraiment bien fait. C'est vrai qu'au final, on a l'air con avec nos murailles. Vaut mieux avoir l'air con que l'air pèse, hein. Ah non, je suis... Tu m'as repoussé dedans ? H6 est pas trop loin, en fait. C'est le plus près, tu penses ? H7. Attends, je vais essayer H7. Regarde un peu H7. Les murs, là, ouais, évidemment. Mais on n'a pas prévu ça. Pas du tout. C'était pour éviter, en fait, que les mobs viennent. Bah, du coup, ils viennent pas. Ah ! H7, c'était là où je me suis paniqué de ouf. Donc, c'est pas, ça n'a rien à voir, non ? C'est pas là ? C'est-à-dire ? Il est où le boss ? Concret, regarde où je suis. T'es où ? Il est où le boss ? Bon, je vais aller à H7 parce que... Attends, il est où le boss ? Ça paraît compliqué. La muraille, c'est ok, la maison aurait dû être construite bien plus loin. Attends, c'est pas du tout là. À mon avis, c'est même bien avant. T'as de quoi faire un portail, de toute façon ? Oui. On peut le faire à la Mysterious Location. Attends, c'est H3 ou H4 ? Non, c'est pas possible. H4. C'est H6 le plus près. Et on va faire H-Boss, on va aller le faire à la Mysterious Location. Ouais. Ok. Tu me suis ? T'es où ? Là, on est tout en haut de la côte, en fait. Attends, t'es où ? Je te suis de où ? H6. T'es un H6, ok, c'est là. Il est là, H6. Tu vois ? Et en fait, il faut descendre pour aller au Mysterious Location. Il n'y a pas de flotte à... Non, c'est tout loin. Et le boss, il est... Vous me suivez ? Attends, on n'est pas là encore. Deux secondes. Voilà. De toute façon, on court. Hein. Voilà, Reaper arrive. Je connais plus du tout le chemin. T'as de quoi faire un établi ? Oui. Allez, go. On fait pas les mobs, moi je propose qu'on court. On court. Parce qu'en plus j'ai même pas mes armes, j'ai pas les potions d'endurance ni rien. J'ai un bon masque de ready, hein, si besoin. Ah, ça c'est bon à savoir, ça. Donc on fait pas les mobs. Oh, ça lag là ! C'est le classique, le lag. Les petits à-coups là ? Tu dis, tu hurles si t'as un problème, Reaper, je me retourne pas. Non, là on va courir un maximum, parce qu'il me semble que la Mysterious Location, on a de quoi mettre... en sécurité, en fait. Si je dis pas de bêtises. Bien sûr. Mes orteils ont souffert. Oula, concret. Putain, je t'ai vu aller dedans, t'es sérieux ? On a un Axe Vin derrière nous. 50%, c'est pas si mal. Si on a un portail juste à côté, où on sait mettre un coffre avec la bouffe, c'est surtout ça en fait. Et des potions. Attention ici, parce que ce que j'ai fait, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Tiens, c'est par là. Il y a peut-être mieux, hein, peut-être, pour mettre le...
Il y a le portail. Ici. Qui attends, est mort ici? C'est où, moi qui étais mort. Gassia, t'es mort? Non, pas par là. Pas par là? Ok, oh putain. Et t'as une Valkyrie derrière toi, donc on court. Ah là, je vais mourir. Merde, c'est par où? C'est par là. Suis-moi. Ouais. Mais regarde, j'ai plus de vigueur et j'ai ma chine derrière moi, là. Elle me prend un hydromel, un truc. J'ai rien. Sérieusement? J'ai rien pris. T'inquiète pas, je suis sûr qu'elle a une agro d'huître. Bien sûr. J'en sais rien. Elle est encore là, hein. Ouais, elle est encore là. Je sais bien. Ici, ce serait top. On est proche du... Tu vois, il y a une petite maison. Attends, c'est où qu'il faut aller? C'est par là, par là. On n'est pas trop loin du boss. Faut suivre la tranchée. Là, faut juste pas mourir. Ah, je crois que je vois la reine. Tu vois, ici, ce serait bien. Faut juste qu'on... Oh quoi? Mets ton bon masque, s'il te plaît. Attends, Reaper, il est où? Je sais pas, moi, je vais mourir. Attends, j'attends Reaper, il arrive. Vas-y, viens. Mais va pas la reine, attends, pas la reine. Attends. Vas-y. J'étais bloqué. Mets-le. Vite. Va pas vers la reine. Reviens. Reviens ici. On tue les machins, là, tranquillement. On met le portail juste ici. Ou c'est encore trop près, ça? Ils vont nous dire que c'est encore trop près. C'est pas la bonne arène. C'est pas vrai. C'est pas la bonne arène. Ah merde. C'est pas la bonne. Bon, on continue alors. Ah, je bosse. Ah non, j'ai rien dit. Ah non, il faut revenir. Ah, t'es sérieux? Ah ouais, je vous ai... Ah putain. Revenez en arrière. On s'est complètement fourvoyé. C'est ma faute. Ouais, je me disais aussi. C'est pas grave. Ah ouais, elle était beaucoup plus proche en fait. Elle est là, le H-Boss. Ah ouais, vous aviez raison. Après, on pourrait mettre pour cette arène-là. Là, on est bien. Hein. Ouais, ouais, non, mais d'accord, mais on va aller. Tout le monde est revenu? On retourne au... Vous êtes où? Ouais, on est là. Oh putain, tout ça pour ça, quoi. Je te tue là ou après le boss? Après le boss, s'il te plaît, Reaper. Vas-y, on va retourner. C'était fait exprès. Oh putain. C'était pour voir si vous suiviez. Oh, une petite balade dans les Ashlands, c'est toujours sympa. Attention, là, il y a Valkyrie, donc là, tu cours. Ah ouais, tout à fait. Jusqu'à ce qu'elle perde l'aggro. Attention à ta vigueur, hein, bien sûr. Tout était calculé, exactement. Bah, il faut bien tenir les 2 heures de live. Je veux dire, si on tue le boss. Ah, il y a Michel là... Michel en renfort. Et moi, il a des pop, moi. Carrefour, bah, merci. Bon. Il est Carrefour. J'aurais dû voir en plus qu'on avait zéro. Mm-hmm. Zéro mort là où, ah oui, là où je nous ai mis. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Là, c'est my bad. Faut aller, là. Oh putain, c'est pas où faut aller là. Ah, Reaper est dans le caca. Merde. T'es où? Derrière, reviens. Ouais, mais attends, parce qu'on a des mobs là, il nous reste combien? 2 minutes 43 sur. Ah si, c'est bon. Ouais, c'est bon, revenez. Parce que là, il y a du monde, là. Là, il y a du monde. Oh, putain. On court! Cours, Forest, cours! Faut absolument que je désactive... Ah, il y a une forteresse devant. Ouais, mais c'est pas là où on va. Faut absolument que je désactive le ramassage automatique. C'est infernal. Ça va être ici, sur la gauche. On doit repasser devant la forteresse. C'est là où on est passé. Faudra peut-être tuer des mobs. C'est où? Ici sur la gauche. Regarde ta map, c'est le seul endroit qu'on a fait. Donc faut passer évidemment à côté de la forteresse. À côté de la forteresse? Ça veut dire qu'on n'ait pas fait la forteresse. On l'a pas fait celle-là? Oh merde, c'est par où? On l'a pas fait. Faut passer par là. Oh mon dieu. Par où? Par là? T'es où? Derrière? Bah du tout, j'allais dire, moi je suis Reaper, mais non. Bah attention, parce que moi j'ai la Valkyrie derrière, évidemment. J'ai une Morgan. Évidemment. Oh merde. Ouais, va falloir faire un peu. Voilà, par où t'es passé? J'ai fait le tour. Reaper, il est parti se réfugier dans une antre de Morgan. Je crois qu'il a eu raison. Parce que là, je suis en train de. Ouais, c'est ce que je me suis dit pour la forteresse, même ça m'a paru bizarre. Moi, je suis à notre. Tu me vois pas sur la carte? Si, mais du coup, je suis loin.
que moi j'y suis, j'ai plus la Valkyrie, donc ça c'est bien. J'ai encore une minute de bonne masse, donc on va se faire machin là. Ah, ça va être chaud quand même. Attends, parce que Reaper m'a écrit là, mais j'ai pas eu le temps de lire. Ouais, on regardera les messages après, là c'est bien d'essayer de... Ok, moi je devrais être bien, moi je suis... Je vais me faire normalement les mobs ici. On va pas prendre directement le portail là. Bah pas si on n'est pas tous les trois là quoi. Viens m'aider à faire les mobs. Attends, parce que là il y a beaucoup de monde. Que je ramène des potes, hein, et je ramène plein de Ask Divine, et moi j'ai qu'un arc. T'as ramené la Valkyrie aussi, faut aller plus loin. Ah putain. Prends le portail peut-être. Écoute, on prend le portail. On essaye. Il est où? Oh, elle va tout péter. Elle va tout péter. Elle peut rentrer là-dedans. Vas-y, on essaye. Je prends le portail. Non, il faut tuer les... Je suis dedans. Oh, non, je suis dedans, trop tard. Vite. Ah, prends le portail. On va attendre que ça se calme donc un petit Reaper, peu. Donc Reaper, t'essayes après de courir vers le portail là où on était. Ce guet-apens, quoi. Et nous, on... Eh ben c'est bon, t'es là. Ah bah t'es là. Bon, ça veut dire que c'était avant. C'est stylé. C'était avant, alors. C'est carrément avant, c'est genre... H5, H3. Mais généralement, c'est le portail d'à côté, en fait, donc c'est H5. En fait, en toute logique. On a fait les portails à côté. La logique voudrait que ce soit H5. Je vais aller voir. H3, en tout cas, c'est trop loin. H4, on l'a plus. Ça tombe, c'est H4. Regarde, c'est la forteresse ici. Et elle est où par rapport au boss? Alors... Bah, elle est bien. Il est où H5? Regarde. Il est là. Parce qu'au pire, on garde la forteresse hein, si on est bien. Bon, c'est un peu loin quand même. Ouais, mais loin, ça dit quoi, ça? C'est 2 minutes. Je sais pas. Quand on meurt et qu'on revient... En tout cas, c'est ici, on est d'accord. Avec la lave autour et tout, ouais, c'est ça. Ouais. C'est peut-être pas si loin, en fait. Hein. C'est H5. On essaye? On va au moins récupérer notre stuff? Attends, parce qu'il faut que je rebouffe. Ça vous va? On essaye de récupérer le stuff? Ouais. Et on sait qu'on a le H5 au pire de près. On teste? Attends, parce que je retire du Bluestone là. On teste d'y aller? Hop, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bon? Voilà, ça devrait être bon. Si Reaper est là, on y va. Bah go. Ah, il a Reaper, très bien. Donc c'est par où, par là? Bon, il y a une Valkyrie là, on avance tout droit. En fait, il y a des Valkyries à chaque fois qu'on est près d'une forteresse. Forteresse, c'est possible, ouais. Mais tu vois, on regarde combien de temps on met pour y aller. Moi, j'ai un bon masse de près, au pire. Après, si on trouve un endroit plus près pour remettre une maison un peu plus près, on met le H-boss. Hein. Moi, ça me va très bien. Regarde, tu vois ici. Ouais. Là c'est pas mal en fait. Là, c'est juste à côté de l'arène. Là en fait, on est bien. Là on est pas mal. L'arène est là-bas, va pas me dire que là il sait nous avoir. Donc moi je propose qu'on vienne mettre. Ouais, on est bien. Petite maison, tu mets. J'ai un endroit plus ou moins abrité ici. Voilà. On tue les mobs s'ils arrivent. Je mets mon bonne masse, hein, on s'en fout, hein, vas-y. Bon, j'espère que vous l'avez eu. Ah, j'ai un blob. Merde. Voilà. Oh, il a tout pété ce con là. Ouais, mais il y a d'autres endroits où mettre. Tue d'abord les mobs, c'est pour ça. On va d'abord tuer tous les mobs là. On mettra le H-boss ici. Là, on est bien. Tu vois, ici, on est bien. Oh, attends. Quel enfer. Voilà. Bah, ici du coup. Là, ici. Ouais, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On met le H-boss. On va peut-être chercher de quoi faire le dôme. Ouais. Reaper est pas affiché sur la map tout à fait. Faut pas activer ça. Je sais pas comment on fait. Ah oui, c'est vrai qu'il faut activer ça. Donc le nouveau H-boss, c'est ici alors. Ouais.
On met juste de quoi faire le... Comment dire ? Le dôme, comme ça ici on est tranquille. Et après je propose qu'on prenne de quoi nourriture. Et on va juste rechercher nos loot et puis on repart. Ouais. Ça, il tombera peut-être pas aujourd'hui le boss. Hein. On a dit on verra. Hein. Je vais le dire pour la 15e fois, mais il est tellement réussi. Il est tellement beau. Et t'as vu ses fadeurs ? Bah oui. Bref. Oh, c'est génial. Je sais plus. Ah bah tu sais regarder, je préfère que tu construises. Moi je prends des os. Je construise quoi ? Le truc ? Ouais, regardez ce qu'il faut pour le prendre, j'espère qu'on a tout ce qu'il faut encore. Ah, normalement, ouais, il me semble. Moi je prends 10 os. Il faut des black cores je crois. Merde. Il est molten ou des blacks, je sais plus. Shield, core, iron et copper. Comment ça t'es mort, t'étais où? Bah... Ah merde. T'as pas repris le portail? Ah merde, t'es où? Oh zut. Attends, on va venir t'aider si tu veux. Bah attends, on va prendre de quoi faire le... Ah oui, le shield, t'as raison. Le shield, on met le shield. Ensuite, on récupère tout notre stuff de partout. Et encore, imagine, heureusement, nous, on perd pas le stuff quand on meurt. Hein. Ouais. T'as bug sur le dos de Vader? Sur le quoi? Sur le dos du boss. Ah bon? T'es retourné jusque là-bas? Ouais, pourquoi t'es retourné là-bas? Ou alors il a eu un bug qui l'a mis là-bas. T'as trop là, comment ça se fait? Parce que j'ai trop de Growstone, je vais aller faire du charbon avec. Vas-y, on s'occupe de toute façon de refaire ça. Après, on peut retourner au boss, hein, si on a finalement tout ce qu'il faut ici. On refait le boss tranquillement, on prend peut-être plutôt Yaglut. Ah bah attends. Ah non, je pensais que c'était Kaltorak. Je pensais que c'était Reaper qui avait dit qu'il avait essayé d'aller récupérer son stuff. Mais non, on va y aller maintenant. Attends, parce que du coup, il faut que je me vide un peu, que je prenne de quoi. T'as plus d'armes. C'est pas grave, on va aller récupérer tout ça. On y va juste pour récupérer, en fait. Hein. Il y a un coffre d'armes, hein, si jamais t'en prends une, ça peut t'aider, c'est le minimum. Donc qu'est-ce qu'il fallait pour faire un shield core? Le coffre d'armes, si jamais il est Reaper, si tu veux... Ah, c'est bon. Là, j'ai repris un peu de bouffe. Black, snortling et ceramic plate, ok. Moi, je vais chercher Yaglut. J'ai l'impression que ce sera mieux. Ok, bah moi je garde bonne masse alors. Garde bonne masse au cas où, ouais. Voilà. Yaglut. Quoi, Black Marble, j'ai pas? J'ai pris quoi? Ah, j'ai pris de l'obsidienne, putain. Il te défonce avant que tu récupères. Ouais, c'est pour ça que je propose qu'on... Voilà, qu'on... Il y aille très doucement. Ouais, mais surtout qu'on, en fait, on prend un peu les potions qu'on a ici et on y va. Si on arrive à récupérer notre stuff quand il est sur quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Quelle diversion. Et si pas, je vais aller dormir moi d'ailleurs. Moi j'ai de quoi faire le shield là. Donc, on ah va bah tu on reviens, va on fait le shield et puis on refait un test. On va dormir, on fait le shield et on verra bien. Ok. Prends tes potions quand même avec toi, hein. Certaines. Que t'as un peu de tout. C'est facile, il y a vraiment le chat qui meule. Ouais, très bien. Mais c'est bien, pour le moment, il est intéressant, je trouve. Bah non, on attend... bah voilà. Non, on attend Mewen, je crois, pour... Ah merde, j'ai pas cliqué dessus. Bon, déjà, j'arrive. Pour dormir. Et maintenant, on t'attend, ouais, pour dormir. C'est bon, c'est passé. Et mon chat. Pose-toi. Non, pas sur le bureau. Pas sur le bureau, c'est mort. Voilà. Ici, t'as pas le choix. Le boss est littéralement sur le portail. Quel portail? Okay. Sur le nouveau portail qu'on a fait?
Attends, on n'est pas là, hein. Non, mais il va aggro, ah. Il va aggro pour le reculer, quoi. Ah merde. Mais comment ça se fait qu'il est si loin? Attends. Sur le nouveau portail H-Boss? Vous n'êtes pas sérieux? Attends, on n'y va pas alors, parce que si le boss est là et que tu meurs et qu'on détruit le portail. Tu l'as aggro en fait, t'as essayé de récupérer ton stuff. Ah là là. Attends. Au pire, il y a le H5 hein, qui est pas loin. Le nouveau portail H-Boss, il est inaccessible, c'est ça? Il faut pas y aller. Bah je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait, Reaper. C'est bon. Ok, j'arrive. C'est bon quoi? Non mais tu vas, c'est la nuit là. Bah c'est pas... Ah on a pas dormi du coup. Bah non on a pas dormi. Ah merde. Ah non, moi je vous attends pour dormir, je suis encore en train de dormir. Ah merde, je pensais qu'on avait dormi. Ok bah je reprends le portail. Essaye de prendre le portail dès que tu peux, en espérant qu'il le pète pas. Non, il vaut mieux mourir au boss hein, quand on est sur le boss. On meurt au boss et on revient. On prend une bouffe. Il est dans son trou. Son trou. Ok. Bah, très bien. Bah, écoute, reprends le portail dès que tu peux, qu'on aille dormir. Bien l'avoiner avec des flèches. Ouais, t'inquiète, j'étais à fond. Bah, c'est bien. Bah, moi, j'étais au corps à corps. Faut juste que je fasse très attention quand il y a la zone. Il faut que je m'éloigne. Du coup, c'est vrai que là, les murs sont chiants. Mais non, mais grimpe les murs, hein. Ouais, sauf bien sûr. Si t'as de la lave derrière, bien sûr. Il a dû essayer, ouais. J'ai vu. Peut-être que je dois prendre la cape de plume. Ah, mais tu vas perdre en protection de feu, hein. Je sais pas. Non. Ok, on est en train de dormir, là, si jamais. Donne-nous des news. Dis-nous où tu en es. Ouais, à oublier, ouais, c'est ça. La cape de plume, faut pas y penser. Ouais, elle brûle. C'est inflammable, les plumes. Ah, je vois Reaper. Trop bien. On va y aller. Donc là, on met en gros le bouclier. Et une fois qu'on a mis le bouclier, on retourne sur le boss et on refait des trails. T'as des os? Sleep, c'est moi qui dors pas? Moi je dors. Attends, je recommence là parce que... T'as ton stuff, très bien, voilà. Il a récupéré son stuff, donc ça c'est bien. Donc on va pouvoir faire... Donc la licence annule la faiblesse. Ouais, en fait je voyais surtout la cape de plume, c'était pour le planage ouais, bah oui. Facile, c'était uniquement pour ça. Vu qu'on va monter... Tu veux tester un truc, c'est-à-dire... Nous, on va déjà aller mettre le bouclier. Donc, je prends la nourriture. Les os. Vous avez de la bouffe de magie? La quoi? Ah, ça sent... Si c'est ce que je pense, ah, dis-moi oui, si oui. C'est ce que je pense, que Kaltorak nous l'avait dit. C'était notre plan B. C'est pour les trolls. On a même un bâton de troll, si c'était tu veux. C'était notre on plan, un plan B. Tu as compris notre plan B, mais d'abord... bouffe de magie, tout se trouve dans le... Tout se trouve dans la taverne, si on a. En effet, j'avais monté un petit peu la magie, moi aussi. Je m'étais fait une armure magique. Plan B, bah écoute... Ce que je voulais faire également, donc... Ouais, non, tu vois, ici... Si tu veux le faire, vas-y. Là-dedans, faut regarder si on en a. N'hésite pas à mettre les trolls. Moi, je vais aller à la cogne. Moi, j'ai mis le bouclier, il me faut des os. T'avais des os? J'y vais. T'as pas fait de magie, par contre, mais je crois qu'on en avait encore. On avait peut-être encore un peu. Normalement, on devrait en avoir dans un coffre à gauche, à droite. C'est H-Boss, hein? Ouais. En fouillant un petit peu, Reaper, tu devrais en trouver. Ouais, dans notre chambre, c'est vrai qu'il y en a. Ah, mais c'est peut-être des coffres perso. Non. Ah non, je l'ai mis du mauvais côté. Ah, mais il est mis du mauvais côté. Mais le non, il est bien, regarde, c'est dommage. Ah non, il est bien. Oh. Ok, bah écoute... Avant de râler, là. Moi, je suis prêt. Pas pareil. On va attendre Reaper. C'est juste un coffre... C'est pas un coffre perso, mais voilà. Pas de bouffe magie dans la chambre en haut. Attends, faut...
Je vais te montrer où est-ce qu'il y en a. J'arrive, hein, là je suis au portail. En fait, quand tu montes là où t'as ton lit, à l'étage de là où Mewen a mis ton lit, normalement il y a des coffres. Et dans ces coffres-là, il y a peut-être de la bouffe magie. Quelque part. On en avait fait. Tu vois... C'est sûr, dans les coffres à la taverne, il n'y en a plus ? Je me rappelle plus. La magie, moi, j'ai jamais utilisé. Donc toi, ici, là, dans celui-là, il n'y en a pas ? Si, il y en a. Tiens, là, ici, il y a de la bouffe magie. Kaltora qui connaît mieux notre serveur que nous, quoi. Mais non, moi, je savais. Pourquoi t'as rien dit ? Je pensais qu'il y en avait encore dans la taverne. Après que vous l'aviez dit. Je pensais qu'il y en avait encore dans la taverne, avant ce coffre-là. Donc, on laisse les lits. On fait pas de lit ici. Hein. Non, là, c'est vraiment juste on vient et tant pis, on refait le tout. Bon, alors, il s'agit d'aller récupérer notre stuff. Ouais, attends, on attend... On peut peut-être taper, hein, si t'as tout ce qu'il faut en potion. T'as quoi comme arc ? T'as l'arc bleu, là ? Ouais, j'ai l'arc bleu, c'était en attente d'avoir mieux. Ah oui, ton arc vert, il est... Bah ouais. Quand c'est que tu l'as perdu ? Ah oui, parce que t'es mort avec le marteau. J'essayais de reconstruire. Ouais. Attends, Mewen. On attend Reaper. Ou on essaye d'y aller à deux. On peut attendre Reaper. Hein. Parce que Reaper, il a son Yagloot qu'on peut mettre. J'ai trouvé ma planque où j'ai enterré la... De quoi ? Y a pas un endroit où tu jettes des trucs ? Ah, je pense pas. Ah, c'était où ? C'était où, Kaltorek ? Mais si c'est le cas, il faut aller clean, parce que c'est peut-être ça qui fait laguer le truc. Ah non, est-ce que tu parles de... Attends, parce que l'autoloot, comment je fais, moi ? Quoi, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, auto-pick-up off. C'est où ? C'est dans quoi ? C'est par là. C'est dans quoi ? Mais moi, je fais la manette, j'en sais rien, comment tu fais ? Ah putain, attends. Mais ça met... C'est le truc pour faire le charbon, Kaltorek ? Si c'est le cas, en effet, j'ai un truc où je fais du charbon. Pour rebondir sur le fait que qu'on crée... Ah oui, qui connaissait mieux le serveur. Non, je pensais que c'était pour le... Attends, Reaper. C'est où l'auto-pick-up ? Attends. C'est V. C'est V l'auto-pick-up. C'est V. Attends, parce que... Attends. Il va nous mettre son Yagloot. Ah ouais, voilà, c'était juste V, ok. J'arrive. Voilà, on est tous là. Attends, je suis pas encore là, moi. Moi, je propose que Reaper mette son Yagloot. Voilà. Ah non, il l'a pas encore. Pas de Yag. Ah ouais, donc on fait gaffe. Hein. On crée. Attends, moi j'ai un peu de stuff. Ma tombe, elle est pas loin normalement. Elle est à côté. Elle était où ma tombe ? Elle était là ? Non, elle était plus loin. Bon bah on y retourne. Dans 5 minutes, j'ai Yagloot. Bah on reteste. Il y a des mobs. Bah, attends, on tue les mobs là. Il y a un mob. Oui bah. C'est un mob. Je prends ma potion de feu quand même. Attends, moi j'y vais. Ma tombe elle est où ? Elle était derrière ta tombe. Ah, la première tombe peut-être. Attends, ça y est, vous l'avez aggro ? Non. Par contre, il y aura un. Ah, ça y est. Ouais, t'es la tour pris niveau santé. Ah, bah oui. Oh, le troll, incroyable. Oh là là, le métal. Elle est où ma tombe ? Concret, elle est là. J'aurais peut-être pas dû y aller, moi, en fait. Moi, je vais tout faire capoter. Pourquoi ? Ah ! Je te suis. Parce que le boss, il est sur moi, tiens. Pourtant, je l'avoine avec des flèches de, mais... Bah vas-y, moi, je vais récupérer ma tombe pendant que les trolls sont dessus. Il y a deux trolls, c'est génial. Tout récupérer, comment je fais pour y tout récupérer ? C'est pas mon cher. J'ai tout récupéré. Je carrying too much, comment ça ? Je carrying too much. Gros stun, je m'en fous du gros stun. Et on fait quoi ? On va quand même à la coin, non ? Ah, moi je sais pas, je reste derrière, je suis bien là. Bah, on voit les flèches. Hein. Y'a un Asivin Pussy là qui arrive là. Je vais le. Ouais. Là, il est sur moi là. Et les trolls, ils ont de la vie. Par contre, je lui fais zéro dégâts, quoi. Attention, là, il fait ses zones de feu.
Ah, la divine. Ah, voilà. Écoute, moi je vais aller au moins le stun. Oh là là. Oh là là. Oh, moi je vais me faire. Oh, mais j'ai les trolls sur moi là, sympa quoi. Meurs pas, mais ouais, non. Ouf. Ouf. C'était tout juste. C'était tout juste. Ah, il y a une Morgan, très bien. Mais vous faites quoi? Bah, on va faire un peu le boss quand même. Attends, je veux bien que c'est cheese, mais ça peut être marrant d'aller taper un petit peu. Ah non! Ah, mais c'est la douve de Kaltorak. Je suis tombée dans la douve de Kaltorak. Ah, mais après, du coup, je suis à l'abri des Morgan, c'est bien. Par contre, pas des Axvin, je suis un peu dans un traquenard. Oh mon dieu, je suis dans un traquenard. Les trolls sont morts dans 2 secondes. Et bah attends, parce que moi je suis... Oh non, je suis en train de crever. Je vais crever. Non, c'est bon. Oh, mais quoi. Cette zone, elle est horrible, cette zone. Retreat. Oh my god, au secours. Quel enfer. Il y a des météores. Les trolls sont morts et tu sais pas en remettre. Attends. Moi je suis en train de me faire défoncer à l'extérieur de la zone de combat. Parce que c'était bien ça, les trolls, si tu sais les remettre. Attends. Merde. Bah vas-y, remets-en, ouais. C'était pratique. Ah bah oui. Vas-y. Tu dois. Fais. Bah fais tu donc. Fais comme tu veux, hein, mais... Voilà. Oh my god, oh my god. Elle est où, Mewen, là? J'essaye de survivre. Parce que je veux bien ton bonne masse, je sais pas du tout où t'es. Attends, parce que moi je suis en train de me faire défoncer par une Valkyrie, par un Axvin, par des trucs... J'étais jusqu'où? Du tout dans l'enceinte du boss. Ah mais t'es loin en fait, merde. J'essaye de survivre parce que je suis tombé dans les douves de Kaltorak. J'ai les... Merde, et je suis en train de me faire défoncer. Oh putain, attendez, je sais même plus où je suis là. J'essaye juste de... Parce que moi j'ai Yagou qui vient te revenir, mais je veux bien ton bon masque. You can consume right now. Allez, reprends ta vie. Je suis désolé, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Et le chat qui va commencer à... Loki. Allez. Ah, il est pas évident là avec ces zones. Je temporise. Où est-ce que je dois aller? Je temporise. Loki, non. Ah, j'ai toutes les météores sur moi là. Je vois pas ce que t'as dit. Mais Wen, dès que tu peux revenir. Oui, attends, mec, je suis dans le mal là. Dans le mal par rapport à quoi? Je sais pas où je suis. J'ai plus de vie et carte, j'ai plein de mobs. Je sais, je regarde ma map, mais j'ai également les zones du boss qui me suivent. C'est quelque chose. Voilà, je suis revenu à côté. Elles vont loin, les zones du boss. Hein. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a les douves. Et donc, je ne sais pas revenir. Et tes trolls, ils sont bloqués, là. Oh mon dieu, Kaltorak, tes douves, en fait, c'est pire que bien. C'est un excellent travail, mais c'est terrible. Voilà, faut essayer de l'avoiner avec l'arc. Maintenant qu'on connaît comment faire, ça va. Hein. Il est bientôt mi-vie. Franchement, plus, moi j'ai le chat qui m'empêche d'utiliser ma souris. Loki, s'il te plaît, je t'en supplie. Allez. Oh putain. Attends, parce que je suis en train de me faire défoncer par des mobs. Et j'ai le maluchat. Voilà, c'est bon. Ça va revenir. Ah, je vais crever, c'est pas possible. Le problème, c'est que je ne sais plus re-rentrer dans l'enceinte du truc facilement. C'est bon, il y a un troll qui a trouvé son chemin. Voilà. Je suis revenu dans l'enceinte du truc. Au moins, j'ai plus les mobs. Bon. Et j'ai récupéré de la vigueur et de la vie. Une vie pour le... T'es où? Moi, je suis dans l'enceinte quelque part. Moi, je suis dans l'enceinte, mais un peu à l'extérieur. Et le boss vient sur moi. Moi, je suis pile poil à l'intérieur. Parce que faut que tu viennes près de moi pour avoir le bon masque. Moi, je vais pas aller sur. Ouais, pour le moi, là, je suis full vie, donc ça va. Ok. Je suis à côté de toi, est-ce que tu veux? Vas-y, mets-le. Hein. Un pec. Si Reaper a un Yagout qui peut mettre. Mais à mon avis, il est un peu loin. Mets ta potion de feu, Mewen. Ah, quand tu peux. Tes potions de vigueur. Attends. Là, ils sont déjà morts, les trolls.
coup là. Voilà. Voilà, j'ai pris du feu. Non, je suis bloqué. Quel enfer, quel enfer. Et il y en a un qui a fait tout nu sans prendre de dégâts. Chapeau, hein. Ouais, j'avoue. Balance des flèches de... Ah ouais, parce que je fais... Les vertes, si tu as. Si je fais que ça. Comme ça, quand il est stun, moi j'y vais aussi. Je vais faire un peu de dégâts, mais j'attends un peu. C'est le stun quand même bien. Et Reaper, t'hésite pas, hein, si tu veux mettre des trolls... Franchement, vas-y, hein. Ah, faut y aller à l'arc. Au corps à corps, c'est bien, mais tu vois, je peux pas l'approcher. Ah ouais, tu fais ça, c'est chaud. Ah, t'es mort, ben reviens, hein. H-boss. Reviens tranquillement. Attention à MON. Ouais. Là, il est stun, c'est le moment de récupérer un petit peu de... Ah, de vigueur, là, je récupère. De vigueur, ouais. J'aime bien la musique, hein. Ah ouais, elle est trop bien. Ça. Bon, il est mi-ville. Il y a une phase 2 ou pas? Bon, tu peux savoir. Je te dis, on arrive à faire la phase 1. Ah, c'est là où je m'en veux de pas pouvoir faire du... des arcs. Ah, il y a des mobs. Ah ouais, il y a des mobs. Ah merde. C'est ça qu'il disait, la phase 2. Bon, ça va, ils ont... J'ai l'air d'avoir un pixel de vie. Ouais. Prends le temps de bien bander ton arc, ouais. T'inquiète, je bande bien là. Bander, ça je sais faire, moi. Donc, ah, mettons... l'humour bien gras. Oh putain, j'ai plus d'arc. Mets ton Yagloot si tu peux. Mec, mon arc est cassé. Je vais prendre l'arc de foudre. De foudre, bah ouais. Tant pis. Au pire, tu vas réparer, hein. Ouais, bien sûr, mais je vais attendre un petit peu. Merde, allez. Allez, prends le marteau, s'il te plaît. Il y a les mobs en plus maintenant qui s'en mêlent. Ouais, mais les mobs, ils ont un pixel. Donc là, vraiment... Oula. Oula. On est bien là, kill ball. Un coup de bol, oui et non. Hein. Attends, parce que je suis là. Ah, non, non, mais. Ah, c'est pas possible. Oh. Ah, j'ai plus méga cher. Ouais, j'arrive, j'arrive. Faut que je revienne. Je me suis fait bloquer par un mur. Ah merde. Et j'ai mis l'auto pick-up, quoi. Quel enfer, ce truc. C'est bon, j'arrive. Je reviens, je reviens, je reviens. Si t'as un arc, essaye de tuer les mobs du boss. Ouais. Parce qu'ils ont vraiment... J'ai l'impression qu'ils ont un pixel, là, de vie. Ils sont beaucoup, là. Ouais, et surtout que moi, j'ai Yagloot qui est bientôt mort. C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de vie. Non, ils ont un pixel, donc... Ah non, mais attends, parce que je me fais avoiner par des météores, là. Oh là là, corps, et maintenant il y a re, la zone. L'enferme. Mais ça s'arrête jamais cette zone. Non, elle est souvent là. J'ai même pas le temps de bander mon arc. Donc en tout cas, Reaper, si t'arrives à revenir et nous mettre ton Yagloot, on prend. C'est bon. Parce que là, moi j'ai. J'ai tué les mobs. Là, moi j'ai plus ma résistance. Magie, putain, il y en a encore des mobs.
Vas-y, si t'es là, on se retrouve tous plus ou moins ensemble. Vas-y. Et on mettra ton Yagut dès que tu peux. Voilà, si je meurs pas avant, moi. Non, mais il s'est abaissé. Pourquoi il s'est abaissé, mon chose, là? Quel enfer. En P2, il enchaîne, bah ouais. Après, si on court, ça va. Moi, c'est juste que je le touche pas, quoi. Il y a un moment, j'aimerais bien pouvoir juste faire du dégât, quoi. Pas grave. Attends, là, moi, je vais faire là de là-bas parce que. Au corps à corps, c'est tout ce que je fais de mieux. Là, il y a les météores, donc attention. Là, c'est les ZAD. Moi, je peux faire les ZAD. Essaye de faire un maximum sur le boss. Oh ouais, bien sûr, mais. Ouais, c'est chaud. Ouais, ça s'arrête jamais. Pourquoi je m'assois, moi? Il y a surtout sa vie qui descend pas. Ouais, il y a la mienne qui descend là. Fais attention à ta bouffe, hein, parce que moi j'en ai une, il me reste 9 minutes là. Ouais, je sais, mais moi il m'en reste une à 10. Oh putain de. Attends, je me casse. Ouais, moi au pire je vais mourir, mais c'est pas grave, je reviendrai. Ok. Là, je me casse aussi un peu, là, faut que je récupère. Ah! Wrong direction! Oh putain, allez! Non! Faut t'asseoir! T'es comme moi, quoi. S'asseoir. Je me gourde de touche! Ouais, moi j'ai eu le même problème. Bon, j'ai le temps de taper de temps en temps, là. Je les stun. Elle est dans le cul. Attends, moi je bouge là parce que je mourrai. Il y a son troufion en plein en ligne là, de mire. Il me reste un pixel de vie là. Ah merde, il y a des boss. Il y a des mobs, pardon. Tu es dead. Vas-y, essaye de faire les mobs. Moi je cours en cercle là, le temps que ma vie revienne. Attends, moi je cours pour juste pas... Juste éviter sa zone de mort. Chapeau à celui qui l'a fait... Tout nu, hein. Ouais, ça c'est clair. Tout nu sans prendre de dégâts là. C'est bon, je peux revenir. On n'a plus aucun buff, hein, donc là, vaut mieux que tu tournes autour. Voilà. Ce que je n'ai pas fait, évidemment, mais je voulais tuer l'AD. Je me suis sacrifié. T'es mort? Ouais, ça va pas tarder. Il a re-invoqué des mobs. Ça ouais, il invoque vraiment, il faut arriver à... À courir. C'était bien les trolls, non? Les trolls c'était bien, hein. Mais bon, après ils meurent vite, hein. Ouais. Quand il y a ça. Là, faut juste tuer les mobs. Tu nous as mis la vidéo sur le Discord, excellent. Bon, en fait, là je vous aide pas beaucoup parce que moi je peux pas faire à l'arc. Mais j'ai quand même l'impression ici l'arc c'est pas mal, voir la magie peut-être. Ah, j'ai le chat devant mon écran, je vois rien. Ah non, mais Loki il arrête pas là. Mais pousse-le, mec, hein. Bah, je vais pas le pousser. Là. Allez! Bah, faut faire les ZAD. Ça, je peux faire. Il va y avoir quelque chose avec Loki? Bah, je vois pas grand chose, mais. Moi, il a voulu se mettre devant mon écran, je l'ai pas laissé. Tournons autour de l'arène, c'est bien. Et dès qu'on n'a pas les. Dès qu'on n'a pas les ZAD ou le boss. Aller faire 2-3 dégâts, ça marche bien. Oh, you died, bien sûr. Oh, j'avais plus de vigueur. Oh, merde. Première mort, j'arrive. Sauf que moi, je vois rien. Je vois pas ma vie, je vois pas ma vigueur. J'ai chaud. Oui, j'ai chaud. J'ai chaud et j'ai les chats devant l'écran, là. Attends, je te le prends. Quel enfer. Après, il me gêne pas tant que ça, hein. Attention. On va tout casser ici. Oh putain. Par contre, il faudra que tu reviennes parce que moi je vais devoir faire un arrêt stand. Alors. En mode aller réparer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai le son hyper fort dans mes oreilles maintenant. Et trop fort. Mais absolument trop fort, je sais pas ce qui s'est passé. On a dû appuyer sur un truc avec le chat.
Je sais pas si c'est pareil pour vous, le chat ou quoi. Non, ça change rien ici, c'est juste tes trucs, donc si ça te fait trop mal, retire ton casque en attendant. Non, t'inquiète, ça va aller. J'ai eu du métal à fond dans les oreilles, c'est génial. Donc Reaper, si t'as ton Yagloot, je prends. Je sais pas si tu l'as, là je suis à côté de toi. Putain, j'entends vraiment la musique cette fois-ci, c'est génial, j'entendais pas bien. Bon, ma voix est beaucoup trop forte, c'est terrible, mais par contre, la musique là, c'est incroyable. Je sais rien faire maintenant, je suis désolé. Non, mais c'est génial, vas-y, t'inquiète, ne fais rien. Il va falloir attendre. Ne fais surtout rien. Je suis en plein kiff là. Cours. Bon, moi j'ai la petite technique, à part que le boss descend pas. J'ai ma petite technique là. Ouais, j'arrive. Je vais peut-être prendre une épée qui fait plus de dégâts. De toute façon, je suis pas sûr que je le stun beaucoup. Je vois plus rien. Faut la mettre plus fort la musique en vrai. Ouais, mais là je vais mourir donc. Alors attends, je suis où ? Je suis revenu à H-Boss, bien sûr. C'était le but. Ah, mais il y a une tempête. Quel enfer, je vois plus rien, moi. C'est possible, Kaltorek, c'est possible, ouais. Je sais pas voir les messages, là. Ouais, j'essaye de survivre, là, je me suis pris une météore dans la... Kaltorek disait qu'il allait peut-être devoir refaire de la bouffe. Donc je lui disais que c'était bien possible. Là. Et il descend plus du tout, là, le boss, hein. Oui, parce que je suis plus dessus. Là. Ah merde. Attends, parce que lui, par contre, il continue. Bon, j'ai toujours mon arc de foudre. Je ne sais plus faire de... C'est pas grave, ton... Essaye de faire un maximum de dégâts contre, sur le boss. Voilà. Oh putain. Ouais, moi, il faut que j'arrive à récupérer de la vie, là. Oh, mais attends, il n'y a plus aucun endroit de safe, en fait. Bah, il faut tourner autour de l'arène. Juste tourner autour de l'arène. Récupérer ta vie. Compliqué, là. Et quand il y a un peu de temps... J'ai voulu partir, j'ai même pas réussi. Faire des dégâts, quoi. Il a détruit son arène, quoi. Je suis parti dans la direction, je pense, mais... Fadeur, là. Après, ça va juste être un peu long, mais si on... Ah non, mais il y a moyen. Puis en moi, avec un fond musical pareil, je reste là toute la nuit. Hein. Tant qu'on n'est pas tous les trois à mourir... Ouais. Attends, merde, il faut de la bouffe. Ça va, hein. Et on essaye de se choper pour les buffs. Ouais, moi j'ai pas encore le bonne masse. Moi j'ai mon Yagloot dans 5 minutes. Est-ce que tu veux chercher Yagloot ou pas ? Je sais pas, il y a quand même des adds. Ouais. Bonne masse c'est pas mal. Je pense que Yagloot est mieux. Bah tu me dis. Je pense. Parce qu'en vrai les adds, ils meurent très vite. Et ce qu'on prend beaucoup c'est ses dégâts de flamme. Je vais chercher Yagloot vite fait. Prochaine fois ou maintenant ? J'y vais vite, hein, j'en ai pour 2 secondes. Ah vas-y. Moi j'ai pas le temps de faire des dégâts au boss qui a déjà des aides quoi. Bah ouais. Mais normalement j'arrive vite hein, mais Alors Yagloot, il est là. Boom. Activated. Voilà. Ouais, bon j'ai fait 3 pixels de dégâts. Très bien. Pour ça de prix. Ah j'ai pas pris la potion de feu. Merci Kaltorek, c'est vrai. Potion de feu. C'est vrai. Et t'as bien les bonnes flèches. Hein. Les bonnes flèches. Bah les dernières quoi. Les dernières quoi. Ah il est pas mal, mais là il ne descend pas du tout. Elle est là. Ah la Reaper est là. J'ai quand même l'impression que je faisais plus de dégâts avec ça moi. Le pouvoir d'Ectir aussi pour l'endurance, mais je pense que la résiste magie est peut-être mieux quand même. Franchement, l'endurance, moi, ça va ici. Et le boss en soi, tu peux prendre un coup, ça va. Donc c'est pour ça que bonne masse, pas trop. Yagloot me plaît bien. Bon, c'est vrai que l'endurance, c'est pas mal, hein. Mais peut-être que quand tu maîtrises le combat,
L'endurance est bien. Parce qu'on a toujours besoin d'endurance. Il y a mes petites tombes qui m'attendent là. Mewen, hop. Mewen, hop. Avec les douves, ouais. Vous êtes tombé dans les douves. Attends, c'est bon, je suis revenu moi. Est-ce que tu veux. Ah non, j'allais dire, il y a Gloutmer. Encore 4 minutes pour avoir Yakov. On n'avait pas prévu tout ça. Hein. T'as quoi, toi, comme buff? Attends, voilà, j'ai rien. Parce qu'on va avoir nos Yagloutes qui vont se superposer, donc ça va être bien. Il te reste combien de temps? 4 minutes. Bah, ce sera le mien, le premier, là, 3 minutes 26. Essaye de taper les Z. Faut déjà voir que je les vois. Je ne vois rien. Donc, du coup, dans le doute, je tape le boss. Ouais, le boss, c'est toujours bien. Out of arrow. C'est sérieux? Oh putain. Attends, je vais aller voir dans une tombe. Mais je pense que j'ai plus de flèches. Mais pourquoi t'as pas pris genre... Mais j'en avais pris genre 3 milliards. Mais pas assez. J'en ai pas pris 3 milliards. Et genre au moins un ou deux stacks de 100 ou 200 quoi. Mais j'ai pris un ou deux stacks, tu penses bien. Bon bah salut. Ah, y'a un Asgwin. Bah... Ah non, attends, tiens bon. Y a un Asville étoilé. Moi je tiens bon, moi ça c'est pas un problème. Hein. Tiens bon. Je vais essayer d'être intelligente. Ah, et c'est pas un problème. De prendre mon arc que je dois réparer en fait. Donc si je le prends pas, ça ne marche pas. Voilà. Hop. Oh putain. Ouh, l'Asville étoilé, il fait mal au. Lui essaye de. Mal au fumet. De l'avoir ou de le kite. Attends, je le kite parce que là il faut que je me casse. J'ai plus de vigueur, bien sûr. Ah, j'en ai marre de cet auto-loot. Oh, je vais mourir. Oh, tout juste. T'as réussi? J'ai réussi à me barrer. Yagout, dans 2 minutes, moi là, je vais déjà un petit peu plus respirer. Attends, mais je suis. Bon, tant pis, je l'aurai pas, mais c'est pas grave. Bah, si, c'est pas grave, je t'attends. Bah, je suis au plus vite. Ah mais j'ai encore le chat. Ça va, il se bouge. Oh non, mais c'est pas vrai. Ça va. Je fais un le peu les aides. Je t'aime très fort, mais là... Faut arrêter. C'est bon, il va dans son panier près de la fenêtre. Va prendre l'air, mon chat. C'est bien, le chat. J'ai même pas où je peux aller, où je suis safe, moi, là-dedans. Ah non, mais c'est un enfer. Aucun endroit n'est safe. Bon, allez, je vais me réparer. Boum. J'arrête pas de prendre des dégâts de chute, en plus, tout le temps. C'est là que la cape, elle était trop bien, en vrai. Quel enfer. Par contre, je peux vraiment écouter cette musique toute la nuit. Hein. Ça passe trop bien. Bon, bah, on a plus de stack de flèches. Mais on prend en des autres. On a plein de flèches. Non, mais on en a plein, bien sûr. Mais là, j'ai pris celle que j'avais faite. Ah, ok. Je vois même pas où sont mes buffs, moi. Encore 1 minute pour ce truc-là, ok. Tu me dis quand t'es là parce que je vais bientôt avoir mon. Ok, je suis presque là. Yagout, moi. Attends, je suis en train de courir. Vraiment presque là, mais. Oula. Oula. Là, on a eu un. Je sais pas si ton casque micro là qui commence à. Ouais. Je suis sûr, là, j'entends l'âme. Tout à fond, mais en vrai, c'est agréable parce que tu dis la musique elle est trop bien. Mais j'entends vraiment tout à fond. Ah, le buff de confort. Bah ouais, mais là, le buff de confort est dans les choux. Hein. Ah, c'est cool. Là, je vais. Hein. T'es où là? Attends, là je viens d'arriver au portail. Ouais, parce que je vais devoir mettre mon Yagout. Donc je suis vraiment là dans pas très longtemps parce que c'est très très proche en fait. Il y a une tempête et tout. Là il y a Reaper. Oh, il y a la tempête de cendres. J'ai Yagout, hein, donc quand t'es là. Je te dis, je suis vraiment presque là. Il faut juste que je prenne, à mon avis, une potion. Taper les Z. Allez! Putain, mais allez, j'arrive même plus à monter. Ah, voilà. Putain, je prends des dégâts de chute. Moi j'ai presque plus de vie là, donc c'est pour ça j'arrive, que... J'arrive, je cours. Là je tourne autour de l'arène. Je cours, enfin, du fader. Là je vais devoir aller dessus. Ah vas-y, va dessus, je suis à ton niveau. Les Reaper, il est pas là. Oh, je le mets parce que je suis... Vas-y, ouais. Tu tous les Z là. Voilà. C'est bon. Ouais, moi c'est pas bon du coup, je vais mourir. Ah oh. Non, faut craindre, ne meurs pas. Je recule. Vas-y. 81, c'est bon. Là, j'attends que ma vie remonte un petit peu. Essayez de faire du dégât au boss.
Ouais. Si c'est pas mourir surtout. Quand il y a la zone, il faut vraiment courir en cercle. Ouais. Généralement, on sait tout éviter. Les météores, là, il faut lui balancer les aides, il faut les buter. J'ai plus de vie. Je vais bientôt devoir aller me réparer, moi. Ah ouais, ouais. Je vais devoir aller faire un... Donc le portail est vraiment tout près. Oui, oui. Mais tu vois, le jade, il est bien hein, contre lui. Attends, ouais, là, d'ailleurs, j'ai pas repris le jade. C'est bon, là, j'ai repris le jade. Putain. Là, on est en 3 jades. C'est pas si mal. Ma vie, elle remonte pas. Ouais, c'est lent, hein. Moi aussi, c'est un peu lent. J'ai pas osé faire des dégâts. Oh my god, oh mon dieu, faut que j'arrête de faire ça. De faire quoi? Je change de... Au lieu de sprinter, je m'assois. Et il nous laisse 0 seconde, hein. Ah non, non, c'est terrible. Marcel. Tu aurais clairement bonne masse, c'est pas utile. J'ai mon Yagloot qui est ready, hein. Ready. Bah tu regardes, là il nous reste 3 minutes. Bah écoute, oui les murs, on n'avait pas prévu ça, hein, désolé. On n'avait pas prévu ça, mais... On avait fait, tout parié sur après, une stratégie. À part d'un côté, ce qui est vrai, les autres murs, c'est de la lave. Donc Et en vrai, les murs, ça nous permet de pas avoir des mobs d'extérieur. Ah merde, j'ai ma hache qui est morte, évidemment. Parce que t'imagines si on avait des mobs extérieurs en plus. Ouais, mais même avec les murs, ça se fait bien. Je comprends que c'est un peu chiant. Ouais. Franchement, ça se fait bien, quoi. Quand tu sprintes en sautant, tu les montes hyper facilement, quoi. Moi, je tourne autour, ça. Je vais quand même, à mon avis, faire un moment un... Par contre, si tu fais un bac, attends vraiment que Creeper soit là parce que moi je sais pas si je vais tenir en vie le temps que tu reviennes. Hein. Je suis pas du tout une tank. Hein. Parce que c'est juste. Dans 2 minutes, tu pourras mettre ton Yagloot. Après, je peux, hein, j'ai encore une arme donc ça va. En vrai, il lui reste 25% là. Si on continue comme ça, c'est long. Et vraiment, je trouve pas ça dur, juste long, parce que... Ah, quand même... Il faut temporiser avant de pouvoir faire des dégâts. Ça, ouais. Mais en soi... Je parle des dégâts en tant que tels, hein, qu'il fait. Quand on a le Yagloot. Ouais. Tu vois, là, il a pris bien cher, là. Moi aussi. Dans 1 minute 20, on mettra... Et tu vois, là, on tourne autour, quoi. Potion de feu dans 45 secondes. Regarde tes potions. Regarde ta bouffe. Moi, je vais en prendre ouais, une... Ouais, pareil, 45 secondes aussi. Parce qu'il y a les mobs, là. Et je me fais... Moi, j'ai pris de la bouffe tant que je pouvais. J'ai plus de vigueur, faut que je prie. Plus ou moins, vas-y. Mais en fait, j'ai l'impression que là, ça fait pas de dégâts tant qu'il n'y a pas les flèches qui sortent du sol. Pour cette zone-là. C'est ce que je me dis aussi. Et donc, je pense qu'en marchant... Tu peux sortir de la zone sans devoir courir. C'est ce que je vais essayer en fait, d'arrêter de courir. J'ai l'impression que c'est pas nécessaire de courir. Sauf si t'es en plein dans. Tu vois, là, quand même courir un petit peu. Ouais, ouais. Ouais, je prends. Non, on prend comme des dégâts de feu. Putain, allez! Ah ouais? Bah, ok, bah, on va courir. Ma potion de feu était finie, donc moi je la prends. Ah, putain, t'as raison, merci. Moi aussi. Là, j'en profite pour faire des dégâts. Ah, oh, je me suis pris tous les météores là. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Ah merde, on va se croiser. Oups. Faut tourner, c'est ma faute, dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Ou dans. Ouais, putain, où tu veux, mais par contre là où en effet c'est la merde. C'est bon. Toujours non. Dans le même sens qu'on n'a pas fait. Donc sens des aiguilles d'une montre alors, ok. On t'entend plus très bien, mais c'est pas trop grave. Sens des aiguilles d'une montre, je disais. Ouais. C'est le sens inverse ici qu'on avance rien. Ah mais qu'est-ce que tu fais? Tu tournes dans l'autre sens? Non, mais c'est nous qui tournons dans le mauvais sens. Lui, il tourne dans le bon sens.
Nous, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est on votre fait faute. Quoi on fait dans quel sens, du coup? Le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est très bien. Okay, okay, le sens inverse de Reaper. Putain, mais... Là, il y a tous les aides qu'on va essayer oh là là. De défoncer au passage. Ah, je vais mourir. Ah, je suis morte, ça y est. Je bah écoute, c'est de revenir, moi là je suis bien. Je en plus j'ai mon... Ah non, il y a tout l'agout qui est prêt, qu'il faudra qu'on mette. Ouais. Ah non, c'est ma faute, je vous ai induit en erreur. Par contre, il est à quoi là? Il est à 10% le boss, hein. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ça va. Je reprends un croc de bouffe. Ah bah tiens, attends, le buff confort. Il a raison, Je vais attendre, voilà, je me pose 2 secondes, le temps d'avoir le buff confort. Ah, j'ai l'Asvin là qui me... Ça, il va se faire tuer par le boss, donc ça, c'est bien. C'est bon ou pas? J'ai le buff ou pas? Certes, l'Asvin. Ah voilà, c'est bon, j'ai le buff. 20 minutes. Je vais faire un peu les aides là, parce qu'on a beaucoup d'aides. Et ils ont été cool, hein. Qui a été cool? Les développeurs. Ils auraient pu mettre... des aides en mode... Dès que tu peux revenir, par contre, pour mettre ton Yagloot. Attends. Ils auraient pu mettre des aides, genre les classiques. Tu sais, les étoilés, les bazars, ceux qui meurent en... Ah oui, c'est vrai. Pour voir le résultat du match. Gros bisous, Kaltorak, merci encore pour ton aide en amont. Pour toute la bouffe que tu nous as fait qui va disparaître ce soir. Tu fais quoi, la Mérine? Ben, je suis dans le portail, j'arrive. Ah, très bien. Et j'ai profité pour prendre le buff du confort, comme l'a conseillé Kaltorak. Donc j'ai 20 minutes de confort, là, je me sens bien. Ah merde, on tourne dans le mauvais sens. Ah ouais, faut pas que vous vous croisiez, hein, tourner dans le même sens, sinon c'est la merde pour les... Alors, mais quand on se croise, en fait, vaut mieux aller... Ah, t'es où, Mewen? J'arrive. Là, on va tous être ensemble, ton Yagloot serait vraiment... Oui. Serait vraiment... Il a quoi, là? Il a 5-10%. Il a plein d'aides. T'as dit quoi? J'ai pas récup toute ma vie, du coup, c'est pas ouf, mais c'est bon, j'arrive. Vous êtes où, là? Oui, il y a plein d'aides. J'arrive. Je mets mon... Vas-y, maintenant, mets-le. Voilà. Maintenant, on bouge, parce que là, on a les zones. Donc on sort de cette zone tranquillement. On tue un peu les aides là. Parce qu'il y en a vraiment plein. Allez. Et si on peut faire des dégâts sur le boss entre temps. Voilà. Donc dans quel sens vous tournez là? Toujours le même inverse aiguille d'une montre. Là j'ai plus de vigueur, je vais crever. Attention, bouge. Je suis vraiment pas bien et j'ai plus de potions de vie. Donc moi je vais un petit peu tourner, je vous laisse un peu taper le boss, récupérer votre vie. Ouais, tourne, je vais essayer de tuer un peu les aides. Vas-y, tue les aides de loin parce que moi j'ai 0. Donc là, on essaye de se rester tous ensemble. Vas-y, et on tourne. Vas-y, tourne. Là, je vais faire un peu ma... Mais il faut que je récupère un peu de vie là. Ouais, t'inquiète. Voilà. Et tu vois, là on peut taper en fait, normalement. Là, c'est le moment où on peut aller taper. Mais... Attends, c'est le moment où je récupère un peu de vigueur aussi, sinon je peux plus taper. Attention, Reaper, on recule. Ah. On tourne. En fait, si on reste tous les trois comme ça, qu'on tourne, dès qu'il a fini sa zone. Tu vois, là, on pourrait taper un petit peu. Là, j'ai récupéré un peu de vie. Attends, il y a les météores. Là, il faut faire les aides. Ah, j'ai essayé de faire la grille, c'est une très mauvaise idée. Tu t'es sacrifié pour quoi, Reaper? Vas-y, parce qu'il lui reste pas beaucoup, hein, Mewen. Ah, ouais, je sais, mais là je suis dans le mal. J'ai plus de vigueur, je suis en train de me taper toute sa zone. Faut faire les aides si t'arrives un peu. Attends, je suis en train de mourir là, j'ai plus aucune vigueur. Ah, j'ai si. Oh putain. T'es morte? Essaye de revenir parce que il lui reste 5%. Ah, je vais bientôt mourir, moi. Sauf que là, il y a trop de zones et on n'est pas synchro. Et du coup, je me tape toutes les zones que t'as derrière toi, en fait. Ok, bah écoutez, j'essaye, mais j'ai plus de bouffe de... Temporis, tu veux que je te ramène quoi? Rien, je reviens juste. Ok. Il y a un Asvin sur lui.
Il y a un axe Vin sur lui. Il y a un Nat qui a été sur lui. Ouais, j'essaie juste de courir. Ouais, cours, cours, cours. Ah, si j'avais pu prendre ta tombe, j'ai pas confiance en moi. Pour prendre tes éventuelles potions. Ah bah vas-y hein. Parce que là, c'est 5%, donc si vous savez revenir... Allez. Oh mon dieu, ça lag. Ouais, on arrive. Oh non. You're carrying too much. Oh, c'est pas possible, qu'est-ce que t'as foutu? J'ai voulu piquer ta tombe. Ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, mais ça ne m'a pas mis des potions, comme je le pensais. Ça t'a mis du gros stun. Déjà, ça m'a mis du gros stun. Mais j'ai désactivé l'auto-loot, c'est quoi cette merde? J'ai peut-être remis sans faire exprès. Ah là là. Non, je l'ai pas remis pour le Lasvin, il m'a tué quoi. Et j'ai plus mon casque, j'ai retiré mon casque. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah, oh, quel enfer. Attends, mais c'est par où que je dois aller là? Je sais pas, mais là, je suis vraiment dans le mal. Attends, vraiment, attends, vraiment moi aussi, dans le mal. Et tu sais que j'ai les zones du boss pratiquement au portail. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est bon, j'arrive. Ah non, non, faut pas qu'on rate maintenant là. Ça va, là, il y a Reaper. Alors moi, je vais juste reculer un petit peu. Histoire de me rééquiper. Allez, putain. Ah, attends, j'ai l'Asvin. T'auras un Asvin sur toi, attention. Très bien. Essaye de le... Il est où? Il est plus là, hein. Oh, trop bien. Ah, mais c'est parce que mon casque est cassé, ok. Mais je reviens, j'ai ma potion de santé que je t'ai piqué, merci Mawen. Avec plaisir. Donc 5%, donc là on y va. Ton Yagloot, c'est toi qui l'as ou pas? Alors moi, je l'ai mis avant de mourir, donc... Ok. Reaper, si toi t'en as un que t'arrives à mettre... C'est bien, moi je vais essayer de faire des dégâts sur le boss. On tourne, Mewen? Ouais. Je te demanderai de faire les ZAD principalement, Mewen? Ouais. Ah ouais, mais si attends, on tourne. Parce que là, il faut vraiment qu'on tourne dans le même sens. Bon, moi je vais à la cogne. Hein. Vas-y. Par où je vais. Mauvaise idée. Ah non, je suis mort. Non. Si, je suis mort. Ne mourrez pas, il lui reste... Un... Tapez-le. Il lui reste rien. Un pixel. Oh, c'est bon, il est mort. T'es sûr? Ouais, il est mort. Ouf. Ah, et là, j'ai été à la cogne, je me suis... Bravo. Oh. C'était long. Putain, on a mis plus d'une heure sur le boss, quoi. Oh, le trophée. Plus d'une heure sur le boss. La tête, elle est incroyable. Ah, je la veux. On va la mettre sur la pierre, de toute façon. Okay. C'est pas malheureux. Je suis pas mort du tout sur ce run-là, sauf Valeur la fin. Relique. La grille. J'ai pris les reliques. J'ai vraiment fait la grille. Tel, on s'en fout. Mais c'est très bien. Donc, tu vois, il est mort comme ça. Très bien. Incroyable. Et je dois aller où maintenant? Je bosse. Oui, je bosse. Attends, parce que j'ai pas de bouffe. C'est grave. Bon. Reaper qui est en train de piller ta tombe. Moi, j'ai envie de retrouver mes armes parce que du coup, j'ai plus rien. C'est ma tombe, hein. Il y a mes objets dedans, mon casque et tout. T'inquiète. Moi, je veux juste retrouver ma Mjolnir, là. Elle est où, ma Mjolnir? Elle est pas là? Laisse ma tombe. Attends, j'ai mon autre tombe qui est là-bas. Tu sais venir m'aider, en fait, parce que j'ai 25 PV. Mais mec, pourquoi t'as pas été bouffé, espèce de taré? Bah parce que j'ai pas de bouffe. Allez là, ma petite épée. J'irai crever. Comment je fais pour remonter là-dessus, sans bouffe? Ah bah, attends. Je vais te donner de la bouffe, mec. Attends, deux secondes. Je récupère ma bouffe, là. C'est combien les dégâts de chute? C'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup trop. Ouf, je suis pas mort. C'est bon, t'es là? Vas-y. Quel bordel. Ma petite maison que j'avais fait et tout avec amour. La boue vigueur, merci. C'est pas grave, c'est bon, je vais prendre ma tombe. Tu veux... okay. Non, j'ai tout dans ma tombe. Vous m'avez laissé un loot? Ah non, j'ai tout pris. Mais c'est pas bon, grave, on se repartage. Écoutez, récupérez vos tombes. Récupérez un peu tous les items qu'on a là. Ouais. Oh putain, le trophée du fader, il est mais
magnifique. Ah, je le veux en vrai, je veux une figurine de ce boss, il est magnifique. Je fais ça pour récupérer. Gros stun, je m'en fous du gros stun. C'est toi le gros stun. Bon bah on va aller réparer. Il est sexy, hein. Il est très, merci très sexy, Reaper hein. De nous avoir accompagnés dans ce qui fut. Dans cette folle aventure. C'était quand même... c'était pas si mal. Hein. C'était quelque chose. Hein. Je le trouve plus facile, attendez, à son échelle, que la reine. Oui, étrangement oui. T'as ici une tombe. En fait, la reine, ouais, malgré les murs, est quand même plus facile parce que tu peux respirer. Et il y a juste la deuxième moitié du boss qui est pas dur. Où est-ce qu'elle est maintenant ? C'est juste long. Parce qu'il faut faire les ZAD, tu peux pas rester sur le boss, tu dois éviter les zones. Il faut être un peu discipliné, en effet, au niveau de la rotation. Sinon, t'as des, ouais, zones partout. C'est ça, on doit être plus coordonné. Ouais, ouais, bien sûr. Et laisse ma tombe tranquille, ouais. Et en fait, si t'arrives à être bien coordonné, tu vois, bien coordonné et que tout le monde tourne ensemble, et par exemple, tout le monde à l'arc... En vrai, j'aurais préféré que tu laisses la tombe, parce que là, je peux pas tout reprendre, et au bout d'un moment, les objets qui sont par terre, ils vont être supprimés. Du coup, c'est un peu relou. Ici, nous, on va tout remettre... Bah ouais, mais du coup, il va falloir faire plein d'allers-retours. Mais tu peux refaire maintenant. On peut refaire un coffre, on peut refaire... Un coffre. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai de quoi refaire des coffres ? Ouais. T'as ton micro vachement long, en fait, à chaque fois. Ah putain, mais le problème, c'est que j'entends tout tellement fort. Ah oui, attendez, je chuchote. Je vais récupérer la souris, je vais remettre, oui, le son à Mewen, quoi. Mais c'était... Franchement, c'était parfait pour le boss. Parce que la musique, elle est incroyable et je l'entendais pas assez fort, c'était très frustrant. C'est mieux comme ça. Fais voir. Ouais. Mais quand ça se fait, qu'est-ce qu'on a touché ? Parce que justement. J'en sais rien, c'est ton micro. Moi, j'ai dit qu'il fallait changer ton micro et ton casque. Mais c'est pas vrai, c'est quand j'ai été chercher le chat. C'est quand j'ai cherché le chat. À mon avis, ton truc est mal mis, quoi. Ton câble doit être mal mis, ton jack. Pas du tout mal mis. C'est quand j'étais prendre le chat. Je suis sûre que c'est un de ton dimmer là qui est là-bas. J'ai touché c'est un mon truc. Dimmer et sur mon PC. Il y a rien qui sûr. Touche à ton PC sur mon PC. Ça vient de chez toi. C'est pas possible. C'est sûr. J'ai pas encore inventé ça, moi. Non, c'est sûr. Ici, Mewen. Oh, les coffres, trop bien. Merci. Non, c'est juste. Je suis certaine. Voilà. C'est pile poil quand j'étais chercher le chat. Boum. Par contre, j'étais cassé. Alors, j'aime beaucoup les armes de Jade, mais elles font quand même pas beaucoup de dégâts, ouais, par rapport aux lent, autres. Hein. Je suis d'accord, c'est très lent. Donc, c'est très très lent, très trop lent. Donc, je sais pas trop. Je suis mitigé. En tout cas, j'ai perdu. On a perdu plein de pourcentages là. Je parie. Oh, tout perdu. Qu'est-ce que tu proposes nous, de toute façon? Ça tombe pile poil bon parce qu'on va être aux 2 heures, donc on fera pas beaucoup plus long aujourd'hui en tout cas. Juste le temps de... Ah oui, le trophée. Ah oui, attends, on va aller mettre le trophée, bien sûr. Attends, je récupère juste. Faudra que tu me le donnes pour... Et l'item qu'il a looté, c'est quoi? C'est des... Fader Relic. C'est des reliques Fader. Des catapultes, ça peut être bien. Le mage, ça peut être bien. Vraiment, je pense... Peut-être plus facile à distance pour nous, parce que moi, au corps à corps, je pouvais faire 2 coups, et après je devais courir pendant 10 minutes. Ouais. C'était honnêtement... J'ai beaucoup aimé le combat. Hein. Ah ouais, mais au corps à corps, c'est pas le boss le plus fun. Tu vois, Yagloot était bien, parce que Yagloot avait que les météores et son crachat. Donc, au corps à corps, ça allait. Ici, comme il y a les zones, tu peux pas. Il y a que du gros stun partout, en fait. Maintenant... Je le trouve beaucoup plus fun que Mother. Mother, moi, je me suis fait chier sur ce combat. Ouais, Mother, c'est vrai que... Tout était à l'arc, j'ai rien fait. Au corps à corps, c'était dur. Je crois qu'on a encore le live. Je fais rien. Je lui... Bah, c'est un dragon, quoi. Donc forcément, les dragons au corps à corps, c'est toujours un petit peu compliqué. Ouais. Attends, ouais. 2 secondes. On voit plus que nuit, en fait. Voilà. Il est pas fait pour le corps à corps. Après, il y a moyen. Quand il a fini ses zones, il y a moyen d'aller faire 2-3 attaques. Un mélange des deux, c'est peut-être pas mal. Moi, je vais aller me coucher, là. J'arrive, c'est la nuit. J'arrive. Attends, parce que... voilà. Je vais retourner au portail. Hop. Et après, je veux bien le... Moment un dad. Des loot. Et un de des dragon, trophées. Bien sûr. Moment dad. Je m'y attendais pas trop, au Fader. Ouais, pareil, c'est génial. Je m'y attendais pas du tout, moi. Et il est vraiment incroyable. C'est une bonne idée. Oh,
Ta modeur dans les montagnes, ta fadeur, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le nord? Ils vont faire la Je grand-mère. Je me demande si on va pas se taper Odin. Grandmother. Hmm non, c'est pas Odin. 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 Celui qu'on, pour qui on fait la quête, la série. Après, Odin, c'est vraiment le vrai phaser. Ouais, c'est ça. À ton avis? Le dernier boss, ça va être... Bah, ça va être Odin, un gros truc, Odin, quoi. Odin, c'est celui qui nous envoie. Enfin, je vais aller voir la vidéo après du boss en solo sans dégâts. Hein. Bon alors, on va mettre... Ah non, d'abord on dort. D'abord on dort. Enfin, moi, je dors, là. D'abord on dort. Hop, j'arrive. Un golem, un énorme golem de glace, pourquoi pas. En plus, les golems, les géants, un géant de glace, tiens. C'est très connu dans la mythologie nordique, ça. Jotun, Jotunheim. Ouais, mais ça va être le dernier boss du jeu. Je me demande s'ils vont quand même pas mettre quelque chose d'iconique. Oh, Dieu. Tu vois, quelque chose de connu. Loki. Peut-être pas, hein, mais peut-être. Ou... Loki en forme de... Attends, vas-y, donne-moi un loot. De je ne sais quoi. Et donne-moi le trophée que je regarde ça. Non, c'est moi qui mets le trophée. Ouais, mais j'en veux un. T'en as trois normalement. Le trophée, j'en ai qu'un. Hein. Ah, y'en a eu qu'un. Ouais, y'en a eu qu'un, un trophée. Hein. Ah, mais t'as eu trois loots. Tu me le rends après? Ouais. Ah, bah attends, il faut. Ah oui, c'est vrai qu'il faut aller le mettre. J'avais Vas-y. Complètement oublié que, comment je te ça marchait le les trophées. Oh putain, regarde comme il est beau. Et Pick juste. Up. Vas-y, rends-le-moi. Fader Trophy. Attends, Anis. Allez. Est-ce que tu as eu le. Pour le. Attends, vas-y. Comment je fais? Voilà. Ah, énorme. Il est trop bah vas-y, on va le mettre. Et tiens, une relique. Ah oui, une relique. T'as eu ta relique Anis, prends-la. Hein. Il y en a trois des reliques, donc vas-y, ouais, prends-en ouais. Une. Hein. Une. Il tu le mérites pas. C'est... Les trolls l'ont bien aidé d'ailleurs viens, au début. Viens prendre ta relique, il est où? Et Reaper, t'es où? C'est un truc de groupe. Hein. Viens prendre ta relique. Non, je pense que tout le monde le mérite. Bah bien sûr. T'es plus là. Comment je mérite pas quoi? Ah t'es plus sérieux. Là. Vas-y viens. Bah viens, on va au spawn. Ah oui, le buff. On va au spawn mettre la tête. La tête. Ouais ouais. Tu t'es déco? Je suis curieux. C'est quoi le buff? Bah attends, on va voir. Viens au spawn. Content. Ouais moi aussi. Parce que vu l'heure, ça pouvait jouer à peu qu'on n'y arrive pas. Just in time. F2. Quoi t'as fait F2? C'est quoi F2? Je sais pas. Oh. Vas-y. Attends, mais tu veux pas être là, Reaper? Tu veux pas être là, Reaper? D'accord. Regarde devant la tombe de Suzanne. Oh, Suzanne. Clique F2, ça fait quoi F2? Moi, je suis à la manette, donc... Et quoi? Ah oui, d'accord, ça veut dire que t'es plus là. Mais je t'ai même pas vu partir. Normalement, dans le chat, ça marque ce déco. Ouais, c'est pas grave. Écoute, on le met et... Bah écoute, voilà. T'es le bienvenu après pour prendre ça. De toute façon, peut-être qu'on refera hein, le boss. Oh, bah, mieux préparé avec Kaltorak ouais, s'il veut. Quoi. Bien sûr. Allez, 3, 2, 1. Oh, y a pas beaucoup de place. Hein. Ça touche un peu l'arène. Regarde ça. Quoi, regarde ça. Regarde ce qu'on a comme buff. Oh. Ah oui, mais attends. Oh. C'est uniquement quand on l'active. Bah oui. C'est nul. C'est incroyable. Increase strength and speed. Ah ouais, mais c'est seulement quand on... Je pensais qu'on avait 300 kilos en plus tout le temps. Ah bah non, mais mec, c'est un pouvoir. Bah moi, je reprends beau de masse. Hein. Pourquoi génial. Ils sont tous rouges, sauf lui? Ah parce que je sais pas, on vient de le faire, je sais pas. Bon, mes skills. J'en suis où avec mes skills? Il devient une grosse mule, ouais, c'est ça, quoi. Run, ah, je suis même plus à 100. J'ai plus bien, aucun moi. Skill à 100, maintenant. Ça va m'aider, ça. Ah bah non, mais mec, on est trop mort, là. Je suis mort que deux fois. Moi, je suis mort combien de fois? Au moins 4 fois. La première, parce qu'on n'était pas prêt, c'était sûr qu'on allait mourir. Et la deuxième, franchement, j'aurais pu ne pas mourir. Peut-être 4 fois. Mais j'ai bien esquivé la mort, des fois, en faisant mes tours. J'étais pas obligé de faire la grid, comme ça, j'ai un peu... Je crois que je suis mort 4 fois. Faudrait c'était pas utile, ce que j'ai fait. En tout cas, il y a heureusement Kaltorak qui avait fait toute sa bouffe. Ouais. Merci Kaltorak. Tous ces hydromels aussi. Ça, c'est tout cool. Tout à fait. On va devoir refaire plein de trucs. Mordor, à côté, elle fait pas le figure. Hein.
Ouais, mais Modeur, c'est aussi un des premiers. Toute petite Modeur. Ah, comme il est beau. Ah, lui. Tu parles des buffs. Non, non, je te parle du... Oh, Loki. Bon, Loki, tu peux maintenant, c'est bon, on n'est plus en boss. Ouais, c'est bon. C'était cool. En tout cas, j'ai bien aimé le combat. Vraiment très, très bien. J'avais quand même peur, je vais être honnête, que ce soit trop facile, vu l'arène et que ça ressemble plus aux autres boss. C'est quoi ça? Ah, c'est le buzzer. Ah putain, je savais même plus qu'on avait ça. Ouais. Mon Dieu. Et finalement, je le trouve quand même bien difficile. Tout en restant... Non, les trolls, c'était une bonne idée. Hein. C'était de toute façon, c'est ce qu'on voulait faire, nous aussi. Si tu l'avais pas fait, je l'aurais fait moi. Ouais, mais donc, qu'est-ce qui se passe normalement quand tu mets les trolls? Si on n'est pas dans l'arène, il les tue, quoi, tout seul. Il fait aucune attaque, parce qu'en fait, il attaque pas les trolls pour le moment. Non. Ici, il a fait les attaques parce qu'on était dedans, et donc, il tuait les trolls. La magie, moi, j'adore. Hein. J'ai beaucoup joué avec les squelettes. Bâton de feu et de glace aussi, dans les mists. Dans les mists, j'ai beaucoup joué en magie. Mais tu vois, ça, je trouve... Alors, ça me dérangeait pas de le faire pour faire le boss, tu vois. Ici, si on doit refaire le trophée, ça me dérange pas de mettre les trolls, je m'en fiche. C'est vrai que ne rien faire du tout, cheese un boss, ça me dérange pas. Mais il faut que ce soit un truc, tu vois, cheese, mais où t'as quand même quelque chose à faire. Ah, t'as 86 de magie. Ah non, moi je suis pas à ce stade-là. Hein. Bien moindre. Mais c'est trop cool, la magie. Tu vois, ça j'aime bien, par exemple, si t'arrives à te mettre sur un point de vue, en hauteur, ou toi t'arrives, comme on voulait faire avec Bonne Masse, on voulait se mettre en hauteur pour l'avoir. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais on voulait quoi. Je pense que ça aurait capoté de fou quoi. Tu veux dire, il faudrait vraiment faire un truc très très haut. Ça mais tu mal. Vois, ça ne me dérange pas. Les trolls, c'est vrai qu'ici, si tu ne fais vraiment rien. Bon. À la limite, pour avoir le trophée, pour le mettre quelque part, je dis pas. Ah ouais, il est tellement beau. Tu mets deux trolls et t'attends pour avoir le trophée. Ah mais t'attends, les trolls, ils meurent. Hein. Non, parce que si t'es pas dans l'arène, il fait pas de dégâts. Le boss n'attaque pas les trolls. Ah, là, il faisait ses dégâts parce qu'on y était. Ah oui, ah bah oui, dans ce cas-là... C'est ça, Creeper, demander ce qu'on faisait. En fait, on a tout fait capoter. Ah, on va carrément aller farmer le boss comme ça, bien sûr. Parce que le farmer, en soi, c'est juste pour le trophée. Hein. Ah, bah, oui. Ah bah oui, non, juste pour la déco, carrément. T'imagines, là ? On va le mettre... Les trolls, ouais, ils se font défoncer dès qu'il attaque. Bien sûr. Ouais, t'imagines, on va le mettre au-dessus de la porte, là, à la place de Ektir. Ektir, il est très très beau, mais... En tout cas, très très Fader, cool. Fader, il est incroyable. C'était vraiment très 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 ouais, très j'avais très pas très compris cool. La strat, mais bien sûr. On a moins galéré que sur l'arène, cool. Quand même. L'arène, on l'a fait en deux fois. On a dû la faire en deux fois, l'arène, ouais. On a dû la faire en deux fois. The Queen. Mais il est bien. Je trouve ce combat beaucoup plus épique. Il est très... Oula. Il conclut bien, en tout cas, les Ashland. Ah ouais. Donc beau. Nous, ce sera notre dernier live, je pense, avant un moment... Dans les Ashland. Sauf, ah bah oui, en live, oui. Après, si besoin, bien sûr, pour Kel'Thorak. Ah oui, refaire le boss, bien sûr. Pour aller faire le boss et tout, carrément, quoi. Parce que nos prochains, ça va être la marchande. On n'a toujours pas chopé la marchande sur notre serveur. Oui. Elle est plus easy en solo. Oui, on a fait un petit peu ce style de cheese pour l'avoir en vrai. On l'a coincée dans la porte. Elle n'était pas coincée dans la porte. Si, on avait... On s'était coincé à la porte... Mais non, on revenait à la porte pour tuer ses aides, et en fait, elle faisait pas de TP. Elle revenait à chaque fois. Et après, on ressortait pour la taper. C'est ça, c'est ça qu'on faisait tout à fait. On avait trouvé une petite technique pour pouvoir la. Parce que sans ça, c'est. En fait. C'était chiant. Elle se TP partout. C'est ça. Tu es en mode, mais putain. C'est ce boss était un peu horrible. Chiant avec ses TP. Ça et surtout, les ZAD, il y en avait partout. C'était ouf, les ZAD. Hein. Bah, les ZAD, ça allait parce qu'on pouvait se les faire à gauche à droite. C'est juste qu'après, la boss, ouais, on mais, pouvait pas taper, quoi. Je suis pour faire les mini-boss. Il y a d'autres mini-boss? C'est quoi les mini-boss? Je sais pas. En tout cas, le Fader, ouais, faudrait qu'on le farme pour qu'on ait tous un trophée, là. Moi, j'en veux juste un pour le village. Enfin, le village, le petit corps, le petit, la base, quoi. Pour l'accrocher. Mais c'est tout. Et en tout cas, la marchande... Ah oui, et tu devais pas faire un coffre pour remettre tous nos loot? Non, je voulais vous les donner, comme ça. Ah, mais il est parti... Non, mais attends, t'as pas envie qu'on fasse des coffres, quand même, vite fait, avant de partir? Des coffres. Là où il y a Fader, pour qu'on récupère tout ce qu'on a mis par terre. Ouais, mais non, mais on a fait des coffres, il en a fait Reaper. Il a fait des coffres, il y a des coffres. Ah bah vas-y, je vais regarder un petit peu pour mettre un maximum. Il reste juste du gros stun par terre. On a déjà tout récupéré le oui, reste. Oui, c'est dans les coffres. Ah putain, vous avez pas chômé, hein.
Bah non, c'est Reaper. Et puis après, moi, j'ai ramassé, puis j'ai rempli. Non, t'inquiète. Donc, on a vraiment tout récupéré de l'ancien H-Boss. Mais par contre, Reaper, je vais laisser une... Bah, mets les trois reliques, ouais. Ici. Mets-les dans le coffre, ici. Le gros coffre vert, là. C'est là où on met tous les trucs des loots. Someone else is using it. Ah, voilà, c'est bon. Vas-y. Ah, voilà, t'as mis. Hop. Hop. Je vais regarder. Hop. Et voilà. Comme ça, tu peux récupérer ta relique qui servira pour faire l'accès au Grand Nord dans quelques mois, je sais pas quand. C'est quoi ça, les bones? Ça sert à quoi ça? C'est pour. C'était pour invoquer Bonne Masse, je pense. On a des les deux, c'est Modeur. Les reliques, les petits bonhommes, là, c'est Yagloot. La majestique carapace. On a vraiment tout, quoi. Ouais. Bah, nous aussi. C'était la toute première fois. C'était la première fois. Je suis assez content. Je suis assez content parce qu'on s'en est pas si mal débrouillé. Bah, ouais. Pour une première fois, je trouve. Ah, non, clairement. Moi, avec mon armure légère, là, on va fêter plus les... Miam. Et donc, nous, sur ce, moi, je vais quand même tout doucement m'arrêter, ouais, parce que demain, c'est la reprise du boulot, là. Eh ouais, tout à fait. Demain, debout 4 heures, reprise du boulot. En tout cas, c'était très, très chouette. On revient demain. C'était très Mais demain, cool. Sera peut-être du No Man's Sky. Ouais, en mode chillax pour découvrir la nouvelle mise à jour et faire une petite expédition, là, en coop. Ouais, on va un peu... On peut regarder ça. Et quel parcours épique. Quand on a dû retourner au boss, que c'était pas le bon truc. On revient. Oh merde. Et en fait, Kaltura qui nous a fait il nous a mis le mode hardcore avec les douves autour. Parce qu'on pouvait plus partir. J'ai pas vu c'était quoi les douves. On tombait dans les douves. J'ai pas vu ce qui se passait. Quand tu sautais des murs pour partir, genre pour esquiver, moi au lieu de tourner, en fait, je partais au début. Ah ouais, mais non. Et en fait, t'as les douves. Et donc tu tombes de super haut et t'es dans l'eau et t'es genre... Enfin, c'était terrible. Ça marche, bonne soirée à toi. Allez, des bisous, merci encore pour ton aide. Ah non, moi je faisais que tourner. À bientôt. C'est ça que je te dis, l'arène est grande, donc juste en tournant, c'était bien. Mais oui, mais bien sûr. Mais moi bien les sûr, murs j'aimais bien, parce que les murs m'empêchaient de tourner dans la lave. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi j'étais safe dans les murs, moi j'ai bien aimé les murs. Tout à fait. Ah mais t'as ton bâton de... Tu l'as pas encore testé ça? Quel bâton de... Ah non, c'est ton arc. Je pensais que c'était un bâton. Ouais, c'est mon arc. Bah avec plaisir, hein, comme je dis. Quand on fait des serveurs, ici c'est Valley, on a fait V-Rising, on fera Enshrouded. Les gens sont les bienvenus. Enshrouded, ouais. Enshrouded. Les gens sont les bienvenus. Nous, on ouvre le serveur. Voilà. C'est pour jouer aussi ensemble, et puis voilà, quoi. Donc, nous, ça nous aide, hein. Bah oui. On se fait carry sur tous les jeux. Non, puis c'est sympa. On se ça va, on s'en sort quand même. On s'en sort bien, c'est vrai. Avec Rising, on s'est fait carré. Un Shrouded, tu seras là? Impec. Ce sera en septembre. Pourquoi septembre? Parce qu'en fait, au mois d'août, il y a deux petits jeux qu'on veut faire en coop. Donc c'est pour ça qu'on ne le commence pas maintenant. Parce que j'ai pas envie de le commencer, faire une pause et reprendre. Donc on va d'abord faire 4 Quest 3 et Cult of the Lamb. Et après, on ira sur Enshrouded. Maintenant, peut-être qu'on va aller faire un live ou deux. Hein. On va peut-être pas aller jusqu'au bout en live. Et après, on fait... Comment tu dis? Enshrouded. 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 On avait été sur Google pour entendre la prononciation, parce qu'on savait pas comment on le prononce. Et donc, la voix, ça faisait Enshrouded. Voilà. Donc, comme ça. Tout à fait. Avec la voix bien robotique de Google. De toute façon, on en parlera sur le serveur. Discord, on préviendra quand est-ce qu'on ira dessus. Ce sera... Voilà. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Nous, sur on va y aller. Voilà. Normalement, on revient d'ici demain, donc sur No Man's Sky. On a envie de regarder ce que cette fameuse nouvelle mise à jour apporte. Donc ce sera un petit live No Man's Sky. On a quand même joué pas mal, sur, enfin, surtout concret. Non, j'ai 130 heures, moi. Moi, j'ai fait 45 heures. 40 heures. 40 heures. C'est pas mal. Pas si mal. C'est vrai que concret, lui... J'avais adoré le jeu. Je m'étais arrêté lors de la sortie de la version Switch. J'avais joué juste pour voir à quoi ressemblait sur Switch. J'étais plutôt surpris. C'était bien. Et donc maintenant, on va voir cette mise à jour-là. Donc tout ça, ce sera demain soir. Donc on vous souhaite une très bonne soirée. Une bonne fin de semaine pour la petite heure 30 qui reste. Une excellente semaine qui arrive.
Et à très bientôt. Et à très bientôt.